Bonjour Alia, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur le podcast Divergent et d'emblée en général, je propose à mes invités de se présenter et de commencer par dire comment est-ce qu'ils se présentent eux-mêmes quand quelqu'un les connaît pas. Bonjour Sandra, merci pour l'invitation. Je m'appelle Anya Tsai, moi je suis coach en résilience, je suis mentor, on va dire mentor alchimiste, c'est comme ça que j'aime me définir, je suis également thérapeute. J'ai plusieurs casquettes en fait, voilà. Je suis également écrivaine, hein. Je suis auteure d'un livre qui s'appelle L'or de nos cicatrices et je suis aussi conférencière, parmi encore d'autres casquettes. Hein. Je suis aussi fondatrice d'une association à but non lucratif, mais on va dire généralement c'est ainsi que je me présente, voilà. Coach en résilience, mentor alchimiste, thérapeute et auteur. Ça fait déjà pas mal de rôles différents, de casquettes différentes. Ça fait pas mal. Et on va dire ma spécialité, c'est l'accompagnement des personnes qui ont vécu des épreuves traumatiques, plus spécifiquement des violences sexuelles. J'accompagne des personnes, donc des femmes, mais aussi des hommes, à se libérer de leur passé, à reprendre le pouvoir sur leur vie, à ouvrir grand les portes de la résilience et vraiment transformer le plomb de leurs épreuves en or de possibilités nouvelles. Excellent. Et donc, tu te présentes alors du coup vraiment avec ces différentes casquettes-là et avec ce qui fait vraiment ta singularité, c'est justement de pouvoir accompagner des personnes sur une thématique bien précise, donc de violence sexuelle et comment rebondir après ça. Voilà, alors, violence sexuelle, c'est une de mes spécialités parce que je l'expliquais aussi, c'est un de mes parcours à moi, un de mes chemins de résilience. Aujourd'hui, les personnes que j'accompagne, c'est des épreuves traumatiques. Donc, c'est vrai que j'ai pas mal de personnes, c'est des violences sexuelles, mais aussi d'autres épreuves traumatiques, je l'expliquais, parce qu'en fait, un chemin de résilience, c'est un processus qui passe par des étapes. Et j'ai remarqué, en fait, finalement, moi, ce qui m'intéresse, tu vois, c'est pas l'épreuve. C'est, moi, je laisse pas les gens tourner en boucle dans le passé. Finalement, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on va en faire, comment on peut alchimiser tout ça. Et finalement, le point de départ, c'est aujourd'hui où est-ce que tu en es, mais finalement, peu importe ce que tu as vécu, ça peut être des violences sexuelles, ça peut être d'autres traumas, des accidents de vie ou, je sais pas, un divorce, une maladie, un burn-out, enfin voilà, ce que j'appelle voilà, des accidents de vie. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment on transmute ça, en fait? Comment on en fait de ce gros tas de boue, comment on le transforme en or précieux. Et c'est ça, en fait. C'est vraiment un chemin, on va dire, de l'épreuve qui mène à la libération, de la libération à la reconstruction, de la reconstruction à la résilience. Et après, j'adore explorer qu'est-ce qu'il y a aussi au-delà de la résilience, parce que pour moi, on peut aller encore plus loin pour des personnes qui cherchent, par exemple, à trouver du sens ou transformer vraiment leur épreuve, en faire quelque chose, en fait. Un peu le parcours que j'ai fait, le parcours d'alchimiste, c'est quelque chose qui me passionne. En fait, c'est assez, tu vois, c'est un chemin avec tellement de possibilités, mais il y a un point de départ qui est voilà l'épreuve. C'est ça. Donc tu accompagnes les personnes au moment où elles sont dans cette phase où elles sont conscientes qu'il y a une épreuve et elles ont le désir de vouloir pouvoir avancer de manière harmonieuse dans leur vie par la suite. Et toi, tu les prends à ce moment-là du parcours, je vais dire ça comme ça, et tu les guides ou tu les accompagnes jusqu'à, en fait, un potentiel infini, parce que finalement, le chemin ne se termine jamais ou alors il se termine que quand on est mort, quoi. Voilà, t'as raison, parce que mon chemin, on va dire, voilà, j'ai aussi un chemin de résiliente, un chemin d'alchimiste, hein, c'est pour ça que je dis mentor alchimiste, mais je pense que c'est le parcours d'une vie, en fait, et c'est un voyage au cœur de soi. Et donc, c'est vrai, je pense qu'on n'est jamais arrivé au bout parce qu'il y a toujours des choses à apprendre sur ce parcours. Et tu as raison de poser un point de départ, c'est des personnes en effet qui ont conscience, voilà, si tu n'as pas conscience que tu as une épreuve ou tu n'acceptes pas d'avoir une épreuve, ça fait dur de transformer ça. Donc c'est vrai que je vais accompagner des personnes soit qui ont conscience et qui veulent avancer déjà sur un chemin d'acceptation, ça peut être ça le point de départ. Mais s'il n'y a pas d'épreuve, s'il n'y a pas de choses à transformer, il n'y aura pas d'accompagnement. Donc c'est des personnes qui ont conscience qu'il y a quelque chose qui les bloque et c'est lié. Notamment voilà, soit un trauma, soit voilà, une épreuve, soit vraiment un challenge dans le passé. Tu veux vraiment sortir, te libérer vraiment de ce passé-là pour vivre la plus belle des vies. Parce que je pense qu'on mérite tous et toutes voilà, ce chemin. C'est ça, de vivre la meilleure des vies, peu importe quelles ont été les circonstances du passé, quelque part. Voilà, tout à fait. C'est vraiment un chemin de libération
de résilience, j'appelle de résilience alchimique, voilà. Et sans fin. Et c'est passionnant. Voilà, Ah oui, génial, génial. Je pense que là-dessus, les personnes qui, bah voilà, déjà rien que, qui découvrent peut-être ce concept de la résilience, bah, peuvent mieux appréhender justement le travail que tu fais ou le, comment dire, l'accompagnement que tu proposes et qui permet de, voilà, de voir vers où elles peuvent aller et à partir de où tu prends, entre guillemets, la main de la personne si elle le désire. On est Voilà, d'accord? c'est bien sûr, ça part d'un désir. Voilà. Yes, Si on n'a pas envie, moi, ça m'est pas possible d'accompagner les personnes contre leur gré. Ça part d'un choix, d'une décision qui est vraiment, voilà, une volonté de vouloir transformer des choses. Et peut-être qu'on ne sait pas encore comment, c'est pas par quelle étape ou parfois on manque de clarté, mais ça part quand même d'un désir profond de dire, eh ben, là, j'ai envie de, voilà, de transformer ça ou de faire quelque autre c'est chose, en ça. fait, de ne pas rester enfermé. Parfois, tu vas dans un statut, une position de victime. Ça peut être ça le point de départ des personnes qui se sentent impuissants dans leur vie. Souvent, c'est ça. Ça ne me convient pas. Je ne veux plus rester comme ça dans ce statut-là. Je ne veux plus rester, voilà, passif dans ma vie. J'ai vraiment envie de reprendre le pouvoir sur ma vie, revenir, on va dire, souverain de sa vie. Ça va vraiment tourner autour de ça. Et retrouver, enfin, sa puissance personnelle. Et ça part toujours d'un choix, et c'est à partir de là qu'on peut naviguer, voyager C'est ensemble. ça. Le premier petit pas, quoi, quelque part, c'est Voilà. de se C'est choisir, quoi, pas déjà. si petit, mais oui, c'est Non, mais la première étape, mais c'est je me choisis moi et voilà, je choisis d'avancer, peut-être accompagnée par quelqu'un qui a marché ce chemin-là. Parce que c'est un chemin, en fait, pourquoi ça me passionne, cette thématique de la résilience, de la transformation de ces épreuves, parce que c'est un chemin que j'ai moi-même marché, voilà, que je connais, c'est C'est ça, de parce que tu l'as, libération. c'est parce que tu l'as vécu que tu peux Ouais. justement être, bah, comme tu dis, le mentor ou le guide qui peut bah, amener les personnes à cheminer aussi sur leur propre chemin, quoi. Voilà, c'est ça. Si tu veux, je Ok. peux. C'est un chemin qui n'était pas où j'ai énormément appris, mais j'avais aussi un point de départ un jour. Je me suis dit, ben, là, je pense qu'il existe une autre voie et je souhaite plus rester enfermée où j'avais l'impression de subir ma vie, tu vois, et pas de la choisir et d'avoir conscience de ça et faire ce choix-là. En fait, maintenant, je veux choisir autre chose. Ça a commencé là. Et de ce jour-là, ça remonte à il y a 7 ans, tu vois, c'était pas si lointain. J'ai choisi la vie, je me suis choisi moi. J'ai choisi de sortir du silence, en fait, après 20 ans de silence. Enfin, je vais raconter peut-être un petit peu mon histoire pour les personnes qui nous écoutent, mais moi, j'ai un chemin d'abord de résilience, on va dire le trauma le plus impactant dans ma vie. C'est des violences sexuelles, notamment un viol dans mon enfance. Et dans mon cas, j'ai mis 20 ans à libérer cette parole. Donc, en fait, je sais aussi ce que c'est le poids du silence, le poids de l'isolement, de sentir seul au monde, parce que j'ai porté ça pendant 20 ans. Et un jour, ben, je me suis dit, c'est plus possible. Enfin, je vais faire autrement. Mais il me fallait 20 ans pour prendre cette décision de me libérer de ce passé. Et dans mon cas, ça a commencé par libérer ma voix, libérer la parole. Et là, j'aurais jamais cru, tu vois, ça remonte à il y a 7 ans, que j'aurais fait tout un parcours où, et après, ben, dans mon chemin à moi, ben, je me suis beaucoup transformée. Après, j'ai choisi de me reconvertir et de consacrer ma vie à l'accompagnement des personnes. Mais mon point de départ, on va dire, c'est ça. C'est un trauma dans mon enfance. Et est-ce que tu souhaites que je raconte un petit peu voilà, le parcours? Avant ça, j'aimerais bien te proposer un jeu. Ah, bah oui, avec plaisir. J'adore On jouer. a j'aime bien proposer ce jeu-là d'emblée aussi. Et c'est le jeu du portrait chinois, on appelle ça, Ah où non, en parce que fait. attention, je suis chinoise. Ben voilà. C'est parfait. D'origine chinoise, donc j'adore. Donc l'idée, c'est de. Ben, si pendant un instant, tu n'étais plus Anya, mais tu restes quand même dans ton essence, Ouais. qui tu es, d'accord? Tu es quelque chose d'autre. Tu serais quoi et pourquoi? Une chose ou un objet, Ouais, une ça peut personne ou un être quoi? Ça peut une être. couleur, un animal, un arbre, ce que tu veux, une musique parfois, enfin, ce que une saison, j'en sais rien, quelque chose qui te vient et que tu te dis, ah ouais, non, ça. Y a plein de choses qui me viennent, on va dire. Alors, je vais dire le premier truc qui m'est venu, parce qu'avant que tu termines ta question, tu m'as dit la question c'est qu'est-ce que Tu veux. je verrais, c'est ça? Enfin, le premier, je te dis le premier truc qui m'est sorti. Là, j'ai d'autres images, mais le premier, je vais dire le premier qui m'est sorti, qui est venu à moi, c'est un phénix, tu vois, parce qu'un phénix qui renaît de ses cendres, puis c'est aussi un oiseau
Asiatique. Légendaire. Ouais, c'est même. légendaire, c'est ma culture aussi. Donc, un phénix, la légende, c'est que c'est un oiseau qui renaît de ses cendres, en fait. Mais moi, je vois un phénix qui sort du feu et qui s'envole dans le ciel et qui est magnifique comme un. Je vois comment ce phénix, tu vois, vraiment beau avec des plumes. Alors, c'est mon phénix à moi, mais tu vois, comme des plumes de paon multicolores, mais un truc vraiment waouh, qui est magnifique. Donc, je vois un phénix, mais je vois. C'est une renaissance, en fait. Ce que je vois comme après, tu vois, je vois la vie qui pousse. Moi, j'ai des images comme ça. Je vois une plante qui sort de terre, tu vois. Mais un peu comme les plantes, tu vois, qui. Je sais pas si tu as remarqué qu'une fois, parfois dans le béton, il y a des petites fissures et tout. Parfois, tu vois la nature qui reprend le dessus et qui peut même traverser, tu vois, des couches de béton. Donc, tu vois ça comme des pavés. Moi, je suis à Paris, des pavés parisiens. Et moi, je suis impressionnée par ça, la nature qui pousse à travers les pavés. Donc, je vois ça. Et après, je vois que cette pousse, elle devient un arbre magnifique, on va dire un chêne, si tu veux. Je vois la vie, mais je vois d'abord qu'avant que ça pousse, il y a les racines qui sont au fond de la terre et puis voilà, que C'est ça ça sort qui émerge et tout de ça. toi qui Ok, donc émerge. Est-ce qu'il vient d'autre? Je vois une étoile. Voilà, mais peut-être que c'est mathématique aussi. Moi, je vois de la magie, je vois des étoiles. Je vois comme des étoiles dans le ciel. Je vois une étoile filante. Et tu sais, quand on dit on voit une étoile filante, fais un vœu. Tu vois, ouais. c'est ça que je vois. Une étoile filante, puis je vois de l'or, hein, parce que moi, c'est peut-être rapport aussi à mon livre, tu vois, ça s'appelle L'or de nos cicatrices. Dans ce titre, ben, ça. J'aime beaucoup la couleur or maintenant, mais avant, je ne l'aimais pas du tout quand j'étais enfant, tu vois, c'est paradoxal. Parce que j'ai dû assumer le côté un peu. Ça fait bling-bling, ça fait ses bris. Mais c'est l'or, en fait. C'est l'or qui raconte une histoire où, tu vois, moi, je suis passionnée, je fais du kintsugi, je ne sais pas si tu connais. C'est C'est un. quand tu me parles de l'ordre des cicatrices, c'est souvent sur la thématique de la résilience. Il y Et a oui. ces objets qui sont Ah oui, moi je vois cassés ça. et puis Il est là. on Voilà. va C'est reconstruire, mon quoi. petit bol. Là, j'en ai un, mais c'est un bol que j'ai réparé au kintsugi. Donc, quand je dis l'or, c'est pas. Je vois pas un. Tu vois, Oui, c'est pas un un lingot lingot d'or d'or, comme quoi. ça. C'est pas ça, mais c'est l'or. C'est vraiment beaucoup plus. Dans la finesse, c'est subtil, mais c'est l'or qui raconte une histoire. Parce qu'en fait, sur les cicatrices, tu peux vraiment sublimer tout ça. Donc, c'est de l'or alchimique. Il y a plein de choses qui me viennent. L'écriture. Enfin, moi, je suis à côté. L'écriture, tu sais, je ne l'ai pas plus, mais en or aussi. Et puis en or, mais moi, j'adore écrire et ça fait partie aussi de mon parcours d'alchimie. Et ton phénix, quand tu disais qu'il était multicolore, justement, est-ce qu'il a aussi cette dimension dorée, j'ai envie de dire, d'or dans les plumes ou Ben, tu vois, c'est quand il s'envole, ouais, les il y a paillettes, une tout ça. traînée, il y a une poudre d'or, tu vois. C'est ça, Ça. ok. Mais alors, c'est pas un phénix, bon, comme c'est un oiseau un peu légendaire, on peut pas dire qu'on a. Enfin, j'en ai pas vu qu'un, mais moi, j'imagine comme ça. Mais pour moi, c'est comme un phénix, mais il ressemble un peu à un paon. Tu vois, le paon, je trouve ça magnifique. Moi, je suis toujours admirative quand c'est un paon qui ouvre, Qui qui déploie déploie vraiment toutes ses plumes ses et plumes. toute sa beauté. Mais moi, je vois un paon avec des plumes multicolores, tu vois. C'est pas juste, tu sais, le vert bleu, etc., ce qui est très beau aussi. Et je vois, ouais, il y a une traînée d'or, en fait. C'est de l'or, un peu comme la poussière d'étoiles. C'est ça. Et c'est le côté magique. Et donc, Oui, c'est la ça magie. rejoint, voilà, ça rejoint dans toutes les images que tu donnes. C'est intéressant parce que par rapport à ce que tu as dit au tout début dans ta présentation, enfin, il y a le phénix qui renaît de ses cendres et tu parlais de renaissance. Bon, ben, c'est un peu une évidence quand on parle de résilience et de ben voilà, on voit le côté, ben, le lien avec la renaissance. Puis tu parlais du côté multicolore. Alors, moi, ça J'adore m'a. les couleurs aussi, c'est pour ça. Ça entre en résonance, tu sais, mais avec ce que tu disais tout à l'heure, ben, quand on est dans le processus d'accompagnement ou de transformation, d'alchimisation, pour reprendre tes mots, Ouais. de la résilience, après, c'est en fait, il y a un champ des possibles qui s'ouvre, ou alors une palette infinie de couleurs. Tu peux colorer ta vie de mille et une C'est couleurs et. exactement c'est en fait de statut où j'avais l'impression de d'être en mode survie et pas être dans la vie, enfin pas. À un moment, j'ai accueilli la vie en moi, en fait, si tu veux, c'est ça. C'est comme si j'avais mis des couleurs, en fait, dans ma vie. C'est que j'ai recoloré ma vie et moi, voilà, j'ai encore cette âme un peu d'enfant, mais j'adore les couleurs, j'adore les tableaux colorés. Tu vois, je m'habille rarement en noir, c'est pas une couleur, j'aime pas, je sais pas, ça me va, mais voilà, je mets très, très rarement cette couleur, j'adore les couleurs, mais c'est le fait d'avancer dans mon parcours de résilient, mon parcours d'alchimiste après, c'est que, en fait, j'ai mis les couleurs que j'aime et ma vie était de plus en plus colorée. Je pense que là, j'ai commencé même à mettre de plus de couleurs. Tu vois, avant, C'est j'étais ça. moins dans. C'est ma part créative qui s'exprime par les couleurs. Et la magie, voilà, c'est, je pense, la part de
mon enfant créatif, tu vois, en moi. Ouais, il y a même, et tu vois, dans ce que tu accompagnes les gens, finalement, c'est devenir créateur de leur propre chef-d'œuvre. Tu vois, il y a même cette dimension artistique, c'est que tu arrives à ramener cette côté, tu vois, à travers le pan phénix, on va l'appeler. J'en sais pas trop. Le pan phénix multicolore, il y a cette dimension de renaissance, il y a cette dimension de pouvoir redevenir acteur ou créateur de sa vie en mettant de la couleur. Et puis il y avait la poudre d'or là, tu vois, qui vient l'alchimie et qui va mettre un peu de magie, parce que tu l'as dit plusieurs fois, cette notion c'est de la magie, magie c'est la couleur. Mais tu vois, quand tu parles et tu me redis les images que je t'ai données, parce que ça, je les ai données en spontané, mais maintenant que je les entends de par ta voix, bah là je vois la suite, tu vois, j'imagine, tu vois, mon phénix avec des plumes multicolores, et ben je prends une de ces plumes en fait, et j'écris l'histoire de ma vie. Et ça écrit de, tu sais, il y a des crayons magiques comme ça, je sais pas si tu connais, et qui sont multicolores, des crayons de couleur, et tu tournes et puis tu peux mettre d'autres couleurs, etc. Mais c'est ça en fait, cette plume, et ben t'écris voilà la suite de ton histoire. Mais l'encre, tu peux choisir non seulement la suite, mais tu peux l'écrire la couleur que tu veux, et tu mets vraiment de la vie et de la joie en fait dans ta vie. C'est vraiment l'étincelle de vie qui renaît à l'intérieur de soi. C'est pour ça que je disais la plante qui germe et tout, mais c'est vraiment ça en fait. C'est comment la vie, elle peut s'épanouir à l'intérieur de soi. Quand on s'est senti dévasté, t'as l'impression qu'il n'y a plus rien en fait, que la terre est aride et tout, qu'il n'y a plus rien qui peut pousser, le désert ou le champ de ruines. Mais dans un champ de ruines comme ça, comme je te dis, quand on regarde vraiment dans la nature, ben, tu vois, ça peut pousser à travers des briques ou du béton ou des pavés. Ben, on ne sait pas comment, mais c'est ça. Et ben, c'est ça qui me plaît, c'est d'aller rallumer cette étincelle. Et à partir de là, c'est magique. C'est renouer avec la... Enfin, quand tu parlais de la pousse et puis du chêne et tout, en plus, le chêne est quand même un arbre assez imposant et tout. Donc, on part de quelque chose où, à la base, on se disait, ben, il n'y a plus rien, ça a été brûlé ou ça a été dévasté, détruit, etc. Et il y a une sorte d'émergence ou de force de vie qui fait que la petite graine, les racines, même s'il y a des pavés, que ça a l'air d'être mort en surface, en fait... En dessous, dans le sol, ça va quand même reprendre. La vie va reprendre à partir du moment où la laisse émerger, quoi. Parce que pour que ça reprenne et pour que ça pousse, ce qui est important, c'est le travail intérieur. On va dire, c'est les racines, tu vois. On voit pas, tu vois l'arbre, tu vois l'extérieur. Mais tu sais pas comme ces racines, en fait. Tu vois, le temps que ça a pris pour ancrer ça, etc. Il y a tout ce travail-là, un peu comme, tu vois, un iceberg. En fait, on voit pas la partie immergée. Et la partie immergée est bien plus grosse que la partie visible. Et, c'est ça qui m'intéresse, c'est de construire des fondations, et que c'est, peu importe si c'est un champ de ruines, c'est pas grave, c'est en fait, c'est le point de départ, et il faut vraiment, c'est en dessous que ça se passe, et tu peux vraiment faire table rase du passé, tu peux nettoyer pour avoir vraiment l'endroit, on va dire, où tu peux reposer une première pierre. Et en dessous, il y a tout ce travail intérieur, et qui est un travail de construire ses racines et de les fortifier, fondations. Les fondations. Et c'est ça qui compte, ça sert à rien de construire le 10e étage si tes fondations sont très instables. À un moment, s'il y a des jeux comme ça de construction, tu rajoutes des briques, mais si le bail est instable, à un moment, tout s'effondre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avant de construire la 10e tour, ok, mais c'est très bien. Mais, faisons les fondations solides. Quoi. En bas, mais est-ce que là, ça tient? Est-ce que, et c'est à partir de là, en fait, qu'il faut parfois soit consolider, soit peut-être il y a des choses, j'ai remarqué souvent, qu'il faut déconstruire, comme déprogrammer, ou pour apprendre autrement, ou peut-être il faut désapprendre aussi, apprendre différemment. Il y a vraiment tout un cheminement de déconstruction pour reconstruire derrière une nouvelle plante, un nouveau possible. Et de ce qui est brisé, en fait, tu peux vraiment construire quelque chose de très beau. Enfin, tu vois, la métaphore du kintsugi, c'est vraiment ça. Tu as des morceaux de céramique qui sont brisés, on peut soit les jeter à la poubelle, t'as l'impression que tu peux rien en faire, mais soit tu peux en fait les nettoyer, les assembler, et à partir de là tu vas raconter une histoire. Et crois-moi qu'une pièce réparée au kintsugi, je trouve ça personnellement beaucoup plus beau, parce que l'objet raconte une histoire, qu'un bol tout neuf, tout voilà, il y a un choc et tout, et en plus ça a plus de valeur, enfin on va dire ça coûte quand même, c'est plus cher, enfin c'est une pièce qui devient une œuvre d'art, et en fait on peut tous unique. Cette œuvre d'art unique, en fait on peut tous créer le chef-d'œuvre de sa vie, et ça commence par soi. Voilà. Excellent. Merci pour mon ça. Introduction. Un peu longue.
Non, mais elle est très bien. Et du coup, ça va, tu vois, là, l'idée, c'est que bah, tu l'as déjà évoqué, c'est que ton cheminement et toutes ces images qui te viennent et tout ça sont nourries de ton expérience de vie, de ton Oui. vécu. Et donc, le propos du podcast, c'est ça, c'est pouvoir écouter des histoires uniques. Donc, dans le cas de la pièce unique dont tu viens de nous parler avec le Kintsugi, ça me fait une transition parfaite et singulière. Ben, justement, raconte-nous un petit peu ton histoire à toi, tu la démarres où tu veux, tu en dis ce que tu veux, tu la termines où tu veux et on a le temps. D'accord. Je vais essayer de faire quand même un peu. Parce que sinon, je peux rester toute la nuit, hein, quand je commence. J'ai raconté mon point de départ, ben, voilà, là où j'ai commencé tout à l'heure l'histoire. Mon trauma dans mon enfance. Donc, moi, c'est un viol que j'ai vécu dans mon enfance quand j'avais 15 ans. Moi, dans mon cas, moi, j'avais choisi de garder le silence. Voilà, et ça a duré 20 ans, ce choix-là. J'ai fait ce choix parce que, à l'époque, j'étais encore enfant et j'avais pas envie de faire de la peine à mes parents. Enfin, tu vois, bon, je vais replacer rapidement le contexte. Moi, c'est lors d'un cambriolage à domicile la nuit avec violence, séquestration. Enfin, on était ligotés, bâillonnés. Ça, c'est dans ce premier trauma-là qui est déjà un trauma hein, quand tu es réveillé en pleine nuit et que voilà, on te ligote, on te bâillonne. Et puis, il y a vraiment beaucoup de violence, tu vois, avec des hommes armés, etc. Et ben, c'est ce contexte-là, donc qui est déjà une forme, un cambriolage, c'est un viol de l'intimité, on va dire, tu vois, les gens qui pénètrent chez toi. Et ben, c'est là que, en famille, on a vécu ça. Hein, donc, avec mes parents, mon frère, on a vécu le même trauma. Sauf que moi, dans l'histoire, j'ai vécu un trauma supplémentaire, on va dire, un deuxième trauma dans ce premier trauma, et qui est le viol de mon intégrité physique. Donc, j'ai vécu un viol. Et après, ben, moi, j'ai choisi de garder le silence parce que, dans mon cas, tu vois, il y a un truc fou, hein, mais ça, je raconte aussi dans mon livre. Mais moi, cette nuit-là, voilà, j'étais persuadée que c'était ma dernière nuit sur Terre. Je pensais que j'allais mourir parce que, voilà, on a été menacés avec des couteaux, etc. Des armes, et je me suis dit, ben là, en fait, après ce crime, voilà. Tu sais, moi, ma plus grande peur cette nuit-là, c'était de mourir, en fait. Parce que je pensais que là, c'était. Il y avait une suite, tu vois. Je pensais qu'après les violences sexuelles, il allait se passer encore autre chose qui était je vais mourir tout seul dans mon lit, baigné dans mon propre sang, et il va arriver la même chose à mes parents. Et dans ma tête d'enfant, à ce moment-là, je me suis dit, mais je n'ai pas pu dire à mes parents à quel point je les aimais. Puisque moi, dans ma culture chinoise, on ne dit pas trop, enfin, on est plutôt, on garde nos émotions, puis on ne dit pas, on l'exprime autrement, tu vois, mais on ne dit pas je t'aime ou on ne se prend pas tellement dans les bras, mais c'est toujours exprimé, c'est beaucoup plus subtil, c'est du ressenti. Et j'ai pas pu dire à mon frère que j'aimais, j'ai pas pu, je me disais, mais à 15 ans, j'ai jamais embrassé un garçon de ma vie, j'ai pas vécu d'histoire d'amour, j'ai pas, mais c'est pas possible, je suis trop jeune pour mourir, tu vois. Et c'est ça, et je me dis, mais je vais mourir à 15 ans et j'ai pas vécu, enfin, c'est trop triste, tu vois. Donc c'est vrai que dans ce drame-là, souvent on dit, mais ça devait être terrible et tout. Oui, bien sûr, c'est terrible ce qui m'est arrivé, mais moi, tu sais, j'avais une autre peur encore, au-delà de ça, de ce que j'ai vécu. Alors, bien sûr, enfin, c'est vraiment. J'étais sûre que je me préparais à mourir, tu vois, c'était vraiment ça. Donc, j'avais la peur de la mort en plus. Et donc, pourquoi j'ai gardé le silence? Parce qu'en fait, dans ce trauma-là, on va dire, ce double trauma, comme j'étais persuadée que j'allais mourir et que mes parents aussi, et comme j'ai eu la vie sauve, je me suis dit, mais je suis miraculée, la vie, on va dire. C'est un miracle que je sois en vie, et c'est un miracle que mes parents, que mon frère soient en vie, en fait, qu'il ne soit rien arrivé. On n'est pas vraiment. On n'est pas, on est juste traumatisé, enfin, juste, tu vois. Ouais, mais Bon, que ma mère, elle vous, avait quand même des n'avez pas blessures. péri, quoi, ouais, c'est Voilà, ça, ma c'est. mère, elle avait quand même une blessure à la main. Enfin, bon, bref, ils ont un peu essayé de torturer, entre guillemets. Bref, elle a quand même des blessures. Mais ça, c'était pas très visible. Moi, j'avais des blessures, si tu veux, mais c'était pas visible. Si on me voit dans la rue, on peut pas deviner que j'ai vécu ça. Ouais, Par c'est contre, j'étais ça. quand même assez traumatisée de l'intérieur. C'est-à-dire que j'avais des cicatrices invisibles et des blessures qui étaient de l'ordre de l'invisible. Et moi, j'ai choisi de garder le silence parce que je n'avais pas envie de rajouter une couche à mes parents qui étaient déjà eux-mêmes traumatisés, mon frère aussi. Enfin, on va dire que même si, imaginons qu'on puisse enlever le viol, bah, il y avait quand même, je pense que j'aurais eu quand même un très gros trauma qui est cette nuit-là, qui était, t'as l'impression que ça a duré des journées entières, enfin, ça a duré plusieurs heures, mais pour moi, c'était interminable. Et donc, j'avais, tu vois, je me dis, mais j'ai pris le siège, on est en vie, on n'est pas mort, on est en C'est vie. ça. Et bah, bien sûr, malgré le traumatisme, on était quand même assez choqués.
J'ai dit, mais on s'en sort plutôt bien. Et donc, tu vois, je me suis dit, mais j'ai dans mon malheur, entre guillemets, j'ai quand même une immense chance de rester en vie. C'est pas tatoué sur mon front, tu vois, fibré, ça se voit pas si je le dis pas. Et je me suis dit, ben, je vais garder le silence parce que j'ai pas envie de rajouter du trauma du trauma déjà que on était suffisamment en état de choc. Et j'avais pas envie de rajouter de la peine. Enfin, c'était une façon de les protéger. Puis moi, je pense que j'étais pas prête parce que ma croyance à ce moment-là, hein, voilà, dans ma tête d'enfant, c'est que ben, si j'en parle pas, au bout d'un moment, je vais l'oublier. Un peu comme les chagrins d'amour, tu sais, t'es amoureux d'un garçon, et tu lui dis pas, et puis au bout d'un moment, bon, bah, t'es triste, mais ça s'oublie avec le temps. Et je me suis dit, ben, ça, avec le temps, je vais essayer, je vais l'oublier, je vais l'enterrer, vraiment, au fond de moi. Alors, je précise, hein, pour les personnes qui nous écoutent, j'ai essayé 20 ans ce système. Il ne Ça fonctionne n'a pas. pas marché, ça ne fonctionne pas, c'est pas un peu comme les petites amourettes, on va dire, à l'école et tout. Non, j'ai essayé, vraiment, je te jure, d'enterrer ces cadavres, tu vois. Pendant 20 ans, avec plus ou moins de difficultés, bah, j'ai quand même fait de mon mieux. J'ai pas mal fait le job, mais à un moment, ce passé, le passé qu'on refoule, surtout un trauma qui n'est pas guéri, qui n'est pas soigné, où tu vas pas guérir des blessures profondes, à un moment, ça revient tôt ou tard. Donc moi, j'ai un retour à la figure une vingtaine d'années après, on va dire. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à libérer ma parole, mais parce qu'en fait, dans mon parcours de résilience, qui est aussi un parcours d'abord dans le silence, mais c'est mon choix. Et j'ai eu la vie qui m'a challengée au bout de ces 20 ans, tu vois, où j'ai quand même fait autre chose. Voilà, j'ai construit ma vie, j'ai fondé une famille, je suis allée dans la routine, c'est tu sais, un peu métro, boulot, dodo, où je remplissais tellement mes journées que j'ai anesthésié ma douleur, en fait. J'ai anesthésié vraiment, ça, c'était ma façon à moi, c'était un. Le fait de remplir beaucoup mes journées, c'était aussi, j'étais un peu en mode hyperactive. Et comme ça, j'ai pas le temps de me pencher sur mes blessures ou mes traumas, tu vois. Donc, C'est c'est ça. une forme de fuite, hein, je précise. J'étais vraiment dans l'hyperactivité. Et puis, ça occupe bien, tu sais, aussi, d'avoir des enfants, et puis d'être dans une routine, le train-train, et puis plein de choses à faire. Voilà, après, Ça ben, t'évite de ressentir, quoi. C'était une moi, j'avais manière pour coupé toi mes émotions. de... Voilà, c'est ça. Tout à fait, j'étais complètement coupée de mes émotions, de mes ressentis. Puis là, bon, j'avais un entraînement aussi. Enfin, c'est vrai que dans ma culture, on n'exprimait pas tellement nos émotions. Donc, je ne vais pas dire que ce n'était pas si dur. C'était enfin, c'était quand même difficile, mais j'avais déjà l'entraînement. Je savais refouler déjà depuis toute petite mes émotions. Donc, j'ai fait ce chemin-là. Après, tu sais, ce qu'on n'exprime pas par la voix, enfin, ce que tu libères pas à un moment, ça s'imprime dans ton corps et tu l'exprimes d'une autre façon. Mais ça, j'ai compris bien plus tard. J'ai beaucoup somatisé, mon corps s'est exprimé à ma place, notamment moi, j'avais plein de troubles gynécologiques. Ça, je raconte aussi dans le livre L'heure de nos cicatrices. Et à un moment, j'ai eu d'autres épreuves dans ma vie. Parce que bon, la somatisation, j'ai quand même. Je soignais, je vais voir le médecin, on me donne des médicaments pour guérir un symptôme. Mais les symptômes reviennent, hein, je précise. Oui, c'est À un ça. moment, j'ai remarqué, et de part aussi des personnes que j'accompagne souvent, ce que tu n'exprimes pas quand il y a un gros trauma comme ça. Par exemple, je ne sais pas, les violences sexuelles, j'ai accompagné beaucoup de personnes aussi qui faisaient de la somatisation au niveau, par exemple, gynécologique. C'était pas ma main, c'était pas mon pied, tu vois, c'était pas mon genou, c'était vraiment à l'endroit où j'avais souffert, j'avais beaucoup de somatisation, enfin, c'était pas anodin. Et donc, une vingtaine d'années de somatisation. Et après ça, j'ai vécu, la vie m'a pas mal, on va dire, challengée, je vais dire le mot challenge, parce que là, c'est ça qui a expliqué la libération de ma parole. J'ai vécu un parcours de résilience. Chaque année, j'ai perdu des membres de ma famille proches, enfin, tous du côté de ma mère. En l'espace de 6 ans, j'ai perdu 5 membres de ma famille proche. Donc, chaque année, j'avais un parcours de résilience. Et tous du côté de ma mère, et vraiment très proches. J'ai perdu sur 4 générations différentes. J'ai perdu, tu vois, la génération la plus élevée, c'est mon arrière-grand-mère qui avait 110 ans. J'ai perdu ma tante, sœur de ma mère. Puis après, j'ai perdu aussi mes grands-parents. J'ai perdu aussi, dans cette série d'essais, il y a un décès qui m'a beaucoup, beaucoup impacté. J'ai perdu ma cousine, Germaine, voilà, des suites d'une leucémie foudroyante qui a emporté en l'espace de quelques mois. Et ça, je n'avais pas imaginé qu'elle ne guérisse pas. Enfin, tu vois, c'était personne n'avait imaginé. Et en fait, elle avait 15 ans quand elle est partie. Et ça réveillait ça en moi. C'est l'âge que moi j'avais quand j'ai vécu le viol. Et je me suis dit, waouh, mais pourquoi elle n'est pas là? Elle n'est plus là. Et elle aurait dû guérir parce que voilà, elle avait eu sa greffe de moelle osseuse. Enfin, tout allait bien, mais elle est décédée des suites d'effets secondaires de médicaments. Enfin, bref. C'est même pas de la maladie, tu vois. Et j'ai dit, mais elle était guérie. Et pourquoi? Et puis là, et pourquoi moi, cette nuit-là,
J'aurais dû mourir et pourquoi je suis vivante? Donc j'ai commencé à me poser des questions un peu d'ordre métaphysique et pourquoi le sens de la vie et le sens de mes épreuves et je ne comprends pas. Et donc il y avait ces épreuves, ces décès. À l'époque, je traversais aussi une crise de couple. Et puis après, j'ai un début de burn-out, tu vois, on va dire. L'accumulation, souvent, c'est. Dans mon parcours, j'ai remarqué souvent, parfois, l'accumulation de choses parce que juste une épreuve, ben, je dis, ah bon, ben, je vais faire. Je vais calmer ça sous le tapis. T'arrives à trouver la fuite Voilà. pour contourner l'épreuve et donc du coup la vie se dit bon Et la attends vie si dit, tu tiens, Ania, contrôles là-bas, putain. ok, autre chose. Et là, comment je gère? Voilà, et je gère. Et au bout d'un moment, tu sais, ben, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et quand tu as l'impression que normalement, tu as tout pour être heureuse parce que tu as un boulot stable, je suis en CDI, je travaille avec mon ex-mari parce que je me suis séparée cette année, voilà. Mais on travaillait en couple, et puis j'ai 3 enfants, et puis tout allait bien, et puis. Il me dit, mais même le médecin me dit, vous avez tout pour être heureuse, hein, voilà, c'est vrai. Alors, en fait, tu rentres dans les critères, tu vas t'accrocher. Maison, enfin, voilà. Oui, c'est ça. Voiture, vacances, enfants, tu as tout coché, le travail, CDI. Il me dit, mais c'est quoi le problème? Mais tu sais, quand tu as tout, on va dire, matériellement, enfin, voilà, je manquais de rien, tu vois. Mais intérieurement, je me sentais vide. C'est ça, en fait. C'est là, à un moment, ben, il y a 7 ans, j'ai commencé une recherche. Je pensais vraiment les parcours de deuil et de résilience chaque année, un parcours de résilience. C'était tellement, tellement challengeant, tellement difficile. Quand tu vas enterrer, tu vois tes proches. Et là, je me dis, non, en fait, la vie, elle est courte. Et là, j'ai commencé à on va dire, à ressentir, tu vois. Enfin, depuis enfant, j'ai comme un dialogue intérieur. Je me parle à moi-même. Tu sais, 20 ans de silence, il faut bien parler à quelqu'un, tu vois. Donc, je me parlais à moi-même. On va dire, il y a un temps de silence, donc j'ai mon dialogue avec ma voix intérieure, et puis à un moment, je m'entends dire, mais tu vois, tous ces décès, je dis, mais en fait, la vie, elle est courte. Et je dis, on peut mourir à 110 ans, vous voyez, comme mon arrière-grand-mère, voilà. On peut mourir à 15 ans, et on peut mourir à 50 ans, hein, comme ma tante, on peut mourir à 80 ans, on peut mourir à. Mais qu'est-ce que toi, tu attends pour vivre? Je te jure, je me suis. Je sais pas, c'est moi-même, je me dis ça, ou j'entendais, mais cette voix intérieure en moi, mais t'attends quoi alors pour vivre? C'est comme si, tu vois, j'avais. L'appel, voilà. Et c'est là que j'ai commencé à libérer ma parole parce que quand tu as l'impression que enfin, normalement, tu as tout pour être heureuse, mais qu'à l'intérieur de toi, tu dis, ben, je me sens vide et tu as beau t'acheter des trucs ou des vêtements ou des trucs pour. Enfin, ça ne remplit pas un vide, un sentiment de vide intérieur. Ben, je savais que c'était bien plus profond que ça. Donc, c'est là que j'ai commencé à libérer ma parole auprès d'un ami. Voilà, parce que j'étais prête à ce moment-là, et puis cet ami, bon, sans doute qu'il n'était pas choisi par hasard, mais il était déjà au courant de mes crises de vie que je traversais, les décès, puis mes problèmes de couple, et puis là, j'étais en début même de burn-out, même un boulot qui avait du sens pour moi, et je trouve que ça n'avait plus de sens. Il y avait, tu vois, toutes mes fondations à moi, et devenaient un petit peu. Ça s'écroulait, tu vois, j'ai dit, mais je comprends pas, mes fondations sont solides. Et là, j'ai libéré ma parole, et là, je ne pensais pas qu'en libérant ma parole, j'allais. Bah, pas libérer juste une voix, tu vois. Libérer moi, en fait, libérer mon corps, libérer. Et puis après, c'est s'avère que cet ami-là, il était aussi dans le développement personnel. Et puis il a dit des mots, en fait, qui m'a fait l'effet d'une grosse claque, on va dire, mais l'ami dit avec tellement d'amour et de bienveillance. Il m'a dit, mais Tiania, ok, ce qui t'est arrivé, c'est terrible, mais tu as le choix, en fait. Tu as le choix de ne pas rester une victime toute ta vie. Et tout. Et souvent, parfois, les gens me disent, mais c'est dur ce qu'il dit. Non, non, c'est pas dur. Parce qu'en fait, moi, j'ai entendu, tu as le choix. Puis derrière, oui, t'as le choix de pas rester une victime toute ta vie, mais c'est vrai que quand je rumine en boucle mes problèmes, tu vois, bah, c'est que je suis inconsciemment ou consciemment, hein, bah, je suis encore en mode victime de ma vie, en fait. Mais il y avait beaucoup d'inconscient. Hein. Et quand il m'a ouvert une porte, tu vois, mais en fait, tu as le choix de pas rester victime. Et je me suis pris une tape, je dis, oh! Mais j'avais pas conscience à ce moment-là, il y a 7 ans, j'étais même pas dans le dev perso, je savais pas, je disais pas, j'avais pas fait de parcours thérapeutique ni rien à l'époque. J'ai dit, ah bon, j'ai le choix, mais je pensais pas parce que je pensais que ce que j'avais vécu, ça, en gros, ça me définissait. J'attendais qu'on ait pitié de moi. Oh, ma pauvre, c'est horrible, c'est terrible ce qui t'est arrivé, oh, là là, c'est dramatique. Ben non, il m'a pas envoyé ça, et peut-être que j'étais pas non plus dans cette énergie de je m'apitoie et pitié de moi. Je lui dis, ah bah ben, il m'arrivait ça et tout, et c'est vraiment dur ce que je traverse. Il m'a redonné à ce moment-là le pouvoir. Et j'ai fait un choix ce jour-là. J'ai fait le choix. Le plus beau cadeau que j'ai pu me faire, ben, je me suis libérée moi, mais je me suis choisie. J'ai dit, OK, mais là, j'ai choisi de me libérer. Puis après, il m'a encouragée. C'est vrai qu'il m'a le fait, la façon dont il a accueilli ma parole, il m'a dit, tu vois, Anya, ce que tu me dis, ben,
Maintenant, va te libérer. Va le dire maintenant à ta famille. Va le dire à ton frère. Va le dire à tes amis. Va te libérer. Et tu vas voir que les gens, ils vont t'aimer, t'accepter tel que tu es. Et les gens vont comprendre ce que tu as traversé. Et en fait, il m'a autorisé, en fait. Et là, j'ai commencé à libérer ma parole. Et c'était à chaque fois comme une thérapie. Libérer mes paroles. Et je dis, waouh, ben 20 ans de silence, j'avais besoin de parler. Et ça a commencé comme ça, mon parcours de résilience. Et là, je suis tombée dans le développement personnel. Cette amie-là m'a offert un livre, mon premier livre de développement personnel, Les 4 accords Toltec. J'ai commencé par celui-là. C'est sans doute pas un hasard. Mais... Et au-delà de lire, hein, tu vois, on peut en lire plein des livres. Tu vois, on peut lire plein de choses. C'est que moi, en fait, il y a un truc qui était fondateur chez moi, c'est que j'ai mis en application. Parce qu'on comprend tous les 4 accords Toltec, voilà, que ta parole soit impeccable et de ne pas faire de suppositions et voilà, de faire de son mieux. Enfin, tu vois, on comprend tous ces principes, mais... Les appliquer, c'est autre chose. Les appliquer, c'est autre chose. Et j'ai commencé à appliquer. Alors, ce n'est pas fascinant. Je ne vais pas dire que je suis encore... voilà, je n'ai pas encore la médaille d'or pour ça. Enfin, je continue encore. Il y a des fois où je fais encore des suppositions. Il y a des fois où j'en fais une histoire personnelle aussi, parfois, hein, tu vois. Mais ouais, c'est ça, moins ouais. qu'avant. Et je pratique. Mais ça a tellement transformé ma vie. J'ai pris un chemin, en fait, dans mon cœur. Bon, je peux en parler des heures, mais j'ai fait un travail sur moi. Après, j'ai fait un parcours thérapeutique aussi. Ça m'a énormément libérée. Et ce parcours thérapeutique... ça m'a tellement passionnée qu'après ben, j'ai choisi moi-même de devenir une professionnelle d'accompagnement parce que j'ai compris des choses dans mon parcours où je me suis dit, wow, mais j'aurais su tout ça avant, j'aurais su tout ça, qu'en fait finalement ce que j'ai vécu, ben, je peux choisir de transformer, c'est en mon pouvoir, hein. Et vraiment me libérer, ça c'est moi qui le fais, en fait, même si je suis accompagnée par quelqu'un. Et, je sais pas, moi j'étais active en processus, je suis pas allée chercher des sauveurs, en fait, hein. Je vais pas des gens qui me sauvent. J'ai compris que la guérison, elle vient de moi. Et que c'est moi qui me sauve moi-même. C'est moi qui me guéris parce que je voulais rester active dans le processus. Et après, c'est là que voilà, j'ai commencé un parcours pour me former. Quand j'ai fini ma thérapie, ou ma psychanalyste, en fait, c'est une psychanalyste, elle m'a dit, en fait, Tania, tu vas tellement vite, je ne peux plus t'accompagner. Enfin, c'est plutôt du coaching dont j'avais besoin. Donc, après, je suis allée vers le coaching et tout. Et ça m'a tellement passionnée. Et au départ, je ne voulais même pas être coach. Tu sais, je me suis formée à l'école de coaching parce que, vu que ma thérapeute m'a dit, bon ben, voilà, va apprendre par toi-même parce que là, t'as plus besoin de thérapie. Je ne sais pas, je vais faire une école de coaching pour apprendre sur moi encore. C'est ça. Un but de dev perso. Et ça m'a tellement passionnée. J'ai continué après, voilà, j'ai fait plein de choses. Ça fait des années que je me forme, voilà, en PNL, en hypnose thérapeutique, en EMDR, en IMO, en thérapie orientée solution. Enfin, je continue encore et ça me passionne. Et je dis, ouais, mais en fait, tout ça, je l'appliquais déjà. Même avant de me former, c'est des outils que moi-même, sans savoir, tu vois, je n'étais pas encore thérapeute, je n'étais pas encore coach, je n'étais pas professionnelle d'accompagnement, mais je mettais déjà des choses en place et j'avais déjà, hein, je pense, à mon avis, enfin, des fondations, en fait, solides pour vraiment construire ma résilience. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai fait ce parcours en quelques années, enfin, les gens disent en accéléré, je ne sais pas si en accéléré, mais je pense que c'est après 20 ans, sinon je me dis, non, mais ma vie est courte, alors là, je vais... Il y a un sentiment d'urgence qui, ah, mais oui, qui clairement. C'est là, ouais. C'est, parfois, j'ai l'impression de, en quelques années, je sais pas, je suis partie en mode waouh, fusée. je me dis, je vais pas attendre 20 ans pour poser la prochaine pierre. Et donc, c'est voilà ce qui s'est passé les 7 dernières années qui font que je suis. Mon point de départ à moi, c'est la libération de ma parole. Et j'aurais jamais cru, tu vois, Sandra, qu'en libérant ma parole, que je puisse me libérer un point, que je consacre ma vie moi-même à l'accompagnement des personnes qui ont vécu des traumas. Un chemin, voilà, je connais parce que bah, j'ai vécu toutes ces peurs, tout ce que tu vis de l'intérieur, tu vois, les doutes et les questionnements, et puis la honte et la culpabilité, ou la peur de ne pas y arriver, enfin tout ça, bah, c'était aussi mon quotidien à un moment. Mais aujourd'hui, ce qui me passionne, c'est, ok, d'accord, enfin, moi aussi, je vais tendre mes 20 ans, tu sais. Mais à un moment, tu dis, ok, mais les gens, tu sais, j'ai remarqué, les gens, en réalité, ils ne veulent pas rester dans leurs problèmes. Non, c'est ça, ils veulent, à un moment donné, parfois, mais ils ont pas... inconsciemment, mais les gens, est-ce qu'ils veulent? Parfois, les gens, ils font des thérapies pendant 10 ans, 20 ans, etc. Mais ce qu'ils veulent, c'est trouver des solutions, mais parfois, ils ne trouvent pas la solution. Et donc, du coup, tu tournes en boucle dedans. Mais des personnes que j'accompagne, les gens, ce qu'ils veulent, c'est, mais en fait, j'ai envie de savoir comment on fait concrètement. Et là, en fait, la demande tout le temps des gens, tu vois, parce qu'entre-temps, ben, voilà, j'ai créé un blog qui s'appelle Les Résilientes, où
montrer mon processus aussi de résilience, tu vois. Mmh. Et après, j'ai ouvert ma chaîne YouTube qui s'appelle Anya Tsai, où je partageais des vidéos. Bah, pourquoi pendant 20 ans j'ai gardé silence, pourquoi j'ai ressenti la honte et la culpabilité, comment j'ai fait pour me libérer, etc. Et pourquoi j'ai porté plainte malgré la prescription, parce que j'ai fait tout un parcours aussi judiciaire, mais il n'y a pas de procédure dans mon cas judiciaire, mais c'était parce que j'avais besoin d'aller au bout du processus dans mon cas. Et pourquoi j'ai fait tout ça, parce que j'ai expliqué, et pourquoi aujourd'hui, en fait. C'est important pour moi d'encourager aussi la libération de la parole parce que pour moi, c'est le point de départ. C'est dur de, en tout cas, quand tu as, on va dire, je donne un exemple après des violences sexuelles, je vois, c'est vraiment difficile à mon sens d'avancer dans un parcours de reconstruction et de résilience si tu ne libères pas ta parole. Si tu ne libères pas, en fait, quand je dis la parole, ça peut être à l'oral, mais ça peut être, je sais pas, à l'écrit, mais en tout cas, il faut libérer quelque chose. Si tu refoules, pour moi, c'est très dur d'avancer dans un chemin vraiment de résilience alchimique, comme je vais dire. Si tu veux transmuter ça, il y a des choses qu'il faut vraiment sortir. C'est par l'expression, quoi, quelque Voilà. part. C'est comme tu dis, peu importe le médium, Voilà, enfin, par que ce soit l'art, par l'écriture, l'expression. voilà, c'est ça. Mais il y a Voilà. besoin de pouvoir le parce que c'est ce que tu disais. En fait, il y a le silence, mais au-delà du silence, c'est comment tu anesthésies tout ça. Bah, Et si donc, tu tu le passes passes à au l'autre. silence. Et là, c'est de passer du silence à finalement à l'expression pour que bah, ça puisse émerger, quoi. Ça puisse émerger, en fait, c'est vrai que c'est pour ça que je dis la résilience pour moi, c'est un processus parce que bon, mon résilience maintenant elle est un peu à la mode. J'utilisais toutes les sauces à l'époque, il y a 4 ans et demi, j'utilisais ce mot-là où je disais les résilientes. Personne ne le connaissait, Ça veut ouais. dire quoi les résilientes? J'expliquais, ben, c'est la résilience, tu sais, ça faire ça, rebondir après l'adversité et tout. Puis voilà, les gens, ils connaissaient quand même beaucoup, j'en connaissais parce qu'il y a quand même Boris Cyrulnik qui en parlait beaucoup, mais là, C'est le depuis seul, mais c'était Covid, quasiment le seul à quasiment le l'époque. seul. Et puis en fait, c'est un terme qui est dérivé de la physique, tu vois, en fait, c'est. C'est les C'est métaux, ouais. des métaux à reprendre leur état initial après un choc. Mais pour moi, en fait, c'est pour ça que je dis un chemin au-delà de la résilience, parce que pour moi, c'est juste revenir à l'état initial. Pour moi, c'est pas ça. C'est plutôt un nouveau départ après une épreuve traumatique. Pour des métaux, c'est revenir à l'état initial. Mais après un trauma, clairement, tu peux pas revenir à l'état d'avant. Hein. Non, Ça, c'est c'est ça. impossible. Par contre, c'est une nouvelle croissance, un nouveau départ. Mais la vie d'après, elle peut être tellement plus belle. Et en fait, on peut vraiment aller plus loin pour. Enfin, ça qui me passionne, parce que je pensais qu'à un moment, la résilience était la fin de mon parcours. Et j'ai remarqué qu'après ça, j'ai ouvert une autre porte, qui est une porte vraiment d'alchimie. On peut vraiment transformer, transmuter tout ça. Et en réalité, ça se trouve, dans 5 ans, Sandra, je te dirais, mais j'ai trouvé encore une autre porte qui est meilleure, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, j'en suis là. Donc maintenant, je parle même de résilience alchimique, où je parle voilà, d'alchimie. Enfin, c'est même le nom de mon programme, Les Alchimistes, parce que je veux vraiment amener les gens d'abord d'un point de départ qui est OK. Et ça commence par accepter, comme tu l'as dit, hein, d'accepter. Si tu n'acceptes pas d'avoir un problème, tu ne vas pas chercher la solution. Tu es d'accord? Si je suis dans le déni que j'ai un problème, je dis non, mais tout va bien dans la vie. Hein, OK, ben, d'accord. Ben, je vais pas, si pour les gens, ben, si les gens pensent qu'il n'y a pas de problème, ben, tu vas pas chercher la solution. Donc, moi, c'est vrai que ça part de ça, ou ça part d'un j'ai envie de marcher sur la voie de l'acceptation, mais il y a encore des freins qui me bloquent. Mais déjà, ça part d'une volonté de pouvoir accepter ce qui est arrivé. Et moi, j'ai mis 20 ans à pouvoir accepter. Parfois, la plus grosse étape, ça commence par ça. Mais Mais de c'est le réaliser début du qu'on a chemin, ouais, quelque c'est le chose début à du chemin. travailler. Voilà, le début du chemin. Et après, c'est le processus, est vraiment des étapes. Mais en réalité, peu importe, tu vois, ce que tu as vécu, parce que tu sais, aujourd'hui, ma perception, mon histoire et tout, je pourrais te raconter. Avant, il y a quelques années, à 7 ans, je racontais mon histoire, j'étais en larmes à chaque phrase, j'étais en train de pleurer, tout ça, parce que j'étais impactée émotionnellement. Le Mais trauma, c'est encore, ouais. il était vivant dans ma vie, mais aujourd'hui, je pourrais te raconter dans les moindres détails. Bon, je ne vais pas le faire parce que j'ai tellement de choses à dire, et puis c'est pas, je ne pense pas que ça va aider forcément les personnes à savoir les détails sordides, mais ça ne me fait rien, non pas que je suis anesthésiée, mais c'est parce que j'ai fait un travail d'acceptation. J'ai tellement libéré que aujourd'hui, je sais que c'est moi, mais je ne suis pas impactée parce que j'ai libéré, j'ai transformé, j'ai alchimisé. Et c'est étape par étape, mais à un moment, ben, j'étais au même point de départ que tout le monde. C'est que c'était OK, j'ai ça, j'ai envie de changer ça, mais je ne sais pas encore. Mais là, Par où aujourd'hui, clairement, commencer? je veux plus rester bloquée dans ma vie. J'ai la sensation d'être bloquée. Et moi, ben, pour me débloquer, j'ai commencé par libérer ma parole. Et après, je suis allée chercher de l'aide auprès de professionnels qui ont pu m'accompagner sur ce chemin. Clairement, voilà, je remercie les personnes qui m'ont accompagnée parce que ce chemin, toute seule. Alors, je ne dis pas que c'est impossible d'avancer seule, on peut, mais être accompagnée, j'ai avancé 20 ans seule, j'ai mis beaucoup plus de temps, tu vois, toute seule, qu'en un an d'accompagnement. Et moi, c'était qu'une une psychanalyse. Et souvent, les gens me disent, ah, mais c'est très long. Bah, dans mon cas, c'était un an. On m'a dit que c'était très court. Même ma psy m'a dit que c'était très court, mais parce que j'ai mis plein de choses en pratique à côté aussi. Mais c'est qu'à un moment, bah,
je vais me faire accompagner parce que dans mon cas, tu sais, je me dis, mais la vie, elle est tellement courte et le temps est tellement précieux, bah, ça n'a pas de prix, je vais me faire accompagner parce que je n'ai pas envie de galérer 20 ans encore pour tourner en boucle dans un processus où je vais chercher les gens les plus compétents pour me faire accompagner sur ce chemin. Et ça m'a tellement passionnée. Je dis, mais j'aurais su tout ça avant, mais j'aurais peut-être pas attendu 20 ans. Et donc, je me suis orientée vers l'accompagnement voilà, C'est ça, de type de faire transformationnel, on va chercher la dire. personne, ouais. Et j'allais te demander justement, au vu de tout ton cheminement et ton parcours, et aujourd'hui, ben, c'est quelque part toi qui guide les personnes à travers Oui. ce processus-là, c'est très sagesse que toi, tu te dirais, ben, ok, s'il y avait, je ne sais pas, X choses à retenir. Fondamentale selon moi, comme des messages ou des croyances peut-être soutenantes, Ah ce oui, serait quoi du coup? ce serait quoi? Alors, première chose qui me vient, moi pendant 20 ans, j'ai cru que j'étais seule au monde et que personne ne pouvait me comprendre et que j'étais la seule, en gros, même, tu vois, mais c'était ma croyance à moi, que personne n'avait vécu comme moi. Alors, c'est vrai, certes, si personne n'a vécu exactement ce que j'ai vécu avec le même contexte et même situation et même personne, ça c'est C'est vrai. ça. Mais beaucoup de gens, des millions de personnes, des millions de femmes, des millions de même d'hommes ou d'enfants, enfin, dans le monde, tu vois, on est des milliards et il y a tellement de personnes qui ont vécu des violences, des traumas, notamment des violences sexuelles. Tu vois, depuis MeToo, il y a tellement bah, la parole qui se libère tout le temps. Tu as des affaires comme ça. Chaque semaine, tu écoutes des infos et tout. Ça arrive à tout le monde. Mais ma croyance à moi, c'est que je suis seule au monde. Personne ne peut me comprendre. Tellement faux. Mais c'était ma perception de la réalité. Se croire seule, penser qu'on est seul, ça ne veut pas dire que c'est vrai qu'on est seul, je précise. Mais ma pensée, elle était tellement ancrée que c'est devenu ma réalité dans mon monde à moi. Mais je suis seule au monde. Et quand j'ai libéré ma parole, j'ai remarqué que j'étais plus jamais seule. Parce que j'ai choisi de ne plus avancer seule aussi. J'aurais pu continuer d'avancer seule. J'aurais pu continuer de dire, bon, bah, je vais continuer et j'ai pas envie d'en parler. Mais moi, dans mon processus à moi, ça, c'était tellement important de le verbaliser. Moi, ça passait par la voix. Je dis pas tout le monde doit passer par la voix, mais on passe par la voix. Après, moi, c'est passé par l'écrit. C'est passé par bah, d'autres formes aussi. Mais la croyance qu'on est seul, j'ai complètement déconstruit cette croyance. C'est vraiment, comme je dis, c'est la déprogrammation. J'ai constaté que c'était erroné. Ma sagesse aussi, ce que j'ai appris, c'est que c'est bon, toute seule, je peux gérer. Et voilà. J'ai appris qu'en étant accompagnée, j'ai avancé beaucoup plus vite dans ma vie qu'en avançant seule. Voilà, c'est possible d'avancer seule. J'ai avancé pendant 20 ans seule aussi. Hein. J'ai pas non plus, j'ai pas stagné, j'étais pas au même point. C'était quand même beaucoup plus long parce que j'étais toute seule face à mes peurs, mes doutes, mes angoisses. J'étais toute seule et avec mes croyances limitantes, bah, j'avais personne qui pouvait m'apporter un point de vue extérieur, et un point de vue d'un professionnel ou des gens qui avaient des outils aussi thérapeutiques, m'aide à guérir, etc. Parce que franchement, face à un trauma, enfin, ma sagesse à moi, si des personnes qui nous écoutent vivent un gros trauma, on va dire, et si on a des symptômes post-traumatiques, tu vois, si je sais pas, tu as des flashbacks, tu fais des insomnies, des cauchemars, ou tu as des crises d'angoisse, et tu as des déclencheurs, et d'un coup, tu fais une attaque de panique, je précise, enfin, il y a vraiment aujourd'hui, des outils thérapeutiques, tu n'as pas besoin de rester des années en thérapie. Il y a vraiment des outils de thérapie, bref, qui peuvent énormément aider à guérir Ouais, ces c'est ça. traumas. Voilà, je pense notamment à. Bon, moi, je parle de ce que je connais parce que je suis formée aussi à ces outils, mais le MDR et l'IMO, moi, je fais le MDR et l'IMO, c'est l'intégration par les mouvements oculaires, mais voilà, le MDR, donc c'est les mouvements oculaires, ça aide, et ça peut aider énormément. On n'a pas besoin d'années de séances. C'est ça. L'hypnose thérapeutique, ça peut beaucoup aider aussi. Enfin, voilà, je sais que la PNL aussi a des outils comme ça. Enfin, moi, je combine, voilà, mais la thérapie orientée solution, comme le nom l'indique, on peut vraiment aller chercher des solutions. Mais on est plus obligé de subir aujourd'hui. Et je pense qu'il y a aussi un manque d'informations, parce que moi, à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait des Tous outils ces outils. thérapeutiques. Voilà, moi, je pensais qu'il fallait peut-être rester 20 ans, 50 ans sur le divan d'un psy. Alors, oui, il y a des thérapies longues, mais quand c'est vraiment des traumas, on peut vraiment aller soulager des symptômes post-traumatiques. On n'est pas obligé de rester toute sa vie avec, parce que c'est vraiment une sorte de torture qu'on s'invite. Déjà que le trauma, c'est dur à vivre, mais si tu as l'impression de revivre constamment ton trauma, voilà, c'est important de savoir qu'il y a vraiment des outils pour alléger
des souffrances. C'est ça C'est existe. ça. Et C'est jusqu'à ça, et maintenant. c'est intéressant aussi parce que souvent il y a la croyance que ben justement pour des traumas, c'est long d'en guérir. Et là, en Non, fait, c'est tellement, il y a tellement tellement, tellement, d'outils, comme tu dis aujourd'hui, tellement qui profond. sont presque magiques, quoi. Tu te Et dirais, tu as ben, on a l'impression. tellement l'impression. Oui, mais moi j'ai accompagné des personnes qui, pareil, ça fait des années, etc. aussi, des dizaines d'années, même des personnes qui avaient fait vraiment des dizaines d'années de thérapie, enfin, on va dire juste par la parole, enfin, la psychanalyse, c'est très très bien aussi. Moi j'ai fait ça, ça m'a aidé. Mais parfois, il faut, si vraiment tu as des symptômes post-traumatiques, tu peux combiner et aller chercher en fait d'autres outils thérapeutiques, hein, c'est pas incompatible. Moi, ce qui m'a aidé dans mon parcours, c'est faire un parcours aussi, on va dire, pluridisciplinaire. Hein. J'ai fait, voilà, j'ai commencé par C'est une ça. psychanalyse, après j'ai fait du coaching, voilà, j'ai fait d'autres choses et j'ai expérimenté la thérapie. Bref, j'ai expérimenté l'hypnose. En fait, j'ai expérimenté sur moi et ça m'a tellement passionnée. Je vais me former à ça. Mais la croyance populaire qu'il y a, c'est que bah, il faut des années pour sortir. Plus ton trauma est, on va dire, gros, entre guillemets. Enfin, j'aime pas comparer, mais souvent, un petit gros trauma, un attentat, la guerre, un viol et tout, ton truc est gros, ben, là, tu en as vraiment pour des années à t'en sortir. Il n'y a rien de plus faux, non. Non, non. Pas forcément. En fait, Pas c'est à nouveau, forcément. ça reprend la notion du choix et de la permission de se dire, en fait, c'est possible pour moi de me libérer rapidement, en tout Et cas de souvent, ce. il y a une croyance. Moi, j'avais aussi une croyance, on peut pas du tout guérir, tu vois. Je dis, c'est tatoué à vie et C'est c'est ça. tellement faux, en fait. Ça me définit pas. Une croyance que j'avais, c'est l'épreuve, limite, c'est tatoué sur mon front. Enfin, bien sûr, c'est une image, tu vois, où bah, j'ai pas le droit d'être heureuse après ça parce que, en gros, j'ai un handicap, tu vois, qui est pas visible. Mais j'ai un handicap invisible. Ben, vu ce qui m'est arrivé, je suis condamnée un peu, tu vois, à être je me résigne. Non, absolument faux. On a droit tous au bonheur. C'est au contraire, en fait, c'est si bonheur existe, c'est qu'on a droit tout ça à sa part. En fait, on a droit, on mérite tous le meilleur dans sa vie, indépendamment des épreuves qu'on traverse. Les épreuves, moi, je pensais que c'était une identité en soi. Moi, je me voyais comme victime. Victime de viol, ou voilà, j'ai ou même, on va dire, tiens, j'ai traversé d'autres épreuves récemment, tu vois, un divorce, un chemin de résilience, ou là, c'était la maladie aussi cette année, là, j'ai guéri aussi, des choses comme ça. Bah non, la maladie, c'est pas moi, ou divorce, un mot, bah, ça me définit pas non plus, tu C'est vois. ça. Ou un deuil, etc., bah non, c'est pas des choses, où t'as, voilà, peu importe l'épreuve, c'est temporaire, si on choisit. Mais par contre, il y a une possibilité de choisir de faire durer ses souffrances. C'est un choix aussi. Je ne conseille pas ce choix, mais c'est un choix. Hein, voilà. Chacun est libre de faire ses choix. Je sais ce qui est mieux pour moi. Je ne peux pas choisir pour les autres. Par contre, on peut faire un autre choix. Vraiment, peu importe ce qu'on a vécu, on peut choisir de choisir soi. On peut choisir de se libérer. On peut choisir de se faire accompagner. On peut choisir autre chose qui va forcément impacter les résultats qu'on aura dans sa vie. C'est parce que moi, j'ai fait des choses autrement, avec une façon de penser différente, et j'ai fait un choix différent, que j'ai eu des résultats. Je précise, c'est pas tombé du ciel. Hein. J'ai travaillé sur moi, je continue encore. Mais c'est parce qu'à un moment, j'étais tellement déterminée que j'ai dit, non, mais là, je vais investir mon temps, mon énergie et mon argent, parce que ça, oui, bien sûr, il y a un coût aussi, mais j'ai jamais regretté un seul centime de tout ce que j'ai investi en temps, en énergie, en argent, dans ma reconstruction, ma résilience, parce que je pense que c'était vraiment le plus beau cadeau à se faire, et que je me dis, bah, ok, un homme un jour a commis cet acte, qui, bien sûr, qui est répréhensible par la loi, mais moi je ne suis pas la loi, je ne suis pas là pour, je suis pas la police. Dans mon cas, il y a prescription, j'ai dû chercher un chemin de guérison qui ne passait pas par la justice. Si j'attends que la personne elle souffre et qu'elle soit derrière les barreaux, ce qui arrivera certainement jamais. Puis même si ça arrivait, j'ai accompagné des personnes où il y avait vraiment, tu vois, le verdict avec la prison, Le jugement. ben, ça m'a pas guéri. Mais oui, parce que la guérison, elle est intérieure à soi. Ça peut aider, hein, bien sûr. Bien sûr, moi, je précise, des personnes qui ont vécu des traumas ou par exemple, des violences sexuelles, alors chacun est libre de faire ce choix. Moi, à un moment, j'ai mis 23 ans pour faire le choix de porter plainte. Ça, c'est un choix aussi, parce qu'on ne peut pas imposer à une victime, tu dois porter plainte, etc. Enfin, non, c'est un choix, c'est tellement dur. Mais moi, dans mon cas, ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours de reconstruction. Et on ne peut pas mettre tous ses espoirs sur ça. Donc, c'est un choix qu'on peut poser. Ça peut énormément aider d'avoir la reconnaissance. Moi, il y avait prescription, mais il y avait comme la reconnaissance de la police qui me disent bah, ça s'appelle un viol, ça s'appelle un viol sur mineur. J'avais le papier, c'est marqué ça. Enfin, on a reconnu. Il n'y a pas de procédure parce que c'était prescrit, mais ça m'a beaucoup aidé. Mais je ne pouvais pas compter que sur l'extérieur. Si j'attends que l'État, la justice, la société, mon agresseur, les autres, ma famille me guérissent et me reconstruisent,
Oui, c'est, J'attends un ça ne marche sauveur. pas. C'est Ça ne ça. marche pas. Et c'est comme oui, chercher une validation de l'extérieur, alors qu'en réalité, c'est plus toi, ton chemin, tu disais, Et c'est pas l'extérieur qui te guérit, c'est toi qui te guéris c'est toi-même. moi qui me guéris. Et moi, c'est ça qui me passionne, en fait. L'accompagnement, c'est. Tu vois, à un moment, j'hésitais. Je voulais être même psy comme ma psy. Tu vois, je me dis, oh, je vais reprendre les bancs de l'université. Je vais faire 5 ans d'études et tout. Mais en fait, ce qui m'a passionnée, c'est un moment quand j'ai commencé à me former au coaching. Et après, j'ai continué pour être thérapeute en thérapie. Bref, parce que c'est tellement orienté présent, recherche de solutions. On puise sur ses ressources et on va chercher, en fait, à transformer une situation présente qui ne convient pas, et on s'est tourné vers l'avenir. Et je dis, mais c'est tellement ça ma démarche. Et à un moment, c'est pour ça que ma psychanalyste, enfin, pouvait me suivre. J'allais trop, trop vite, en fait. Et à un moment, j'ai plus besoin de brasser mon passé et pas, enfin, m'accompagner plus dans ce chemin-là. Mais j'ai fait tout un chemin de guérison avec elle et je suis ensuite très reconnaissante. Mais à un moment, je dis, ah, oh, mais ça me passionne, en fait. C'est le présent. Et en fait, Orienté vers le orienté futur. vers le futur. Et en fait, et ce que j'ai remarqué aussi de par. Enfin, ma pratique, mes accompagnements, et puis j'ai écrit aussi un livre où j'avais vraiment envie de transmettre, parce que moi, à un moment, c'était ma quête de sens. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire, cette épreuve, pourquoi j'ai vécu et tout. J'ai réfléchi longtemps, mais en fait, je ne sais pas pourquoi. Mais dans ce cas, le sens, je vais le créer, je vais transmettre des choses, parce que pour moi, ça a du sens de transmettre ce que j'ai appris, ce que j'aurais aimé savoir, d'écrire le livre que j'aurais aimé avoir à mes côtés quand j'avais 15 ans, tu vois, pour pas me sentir seule au monde. Et je vais transmettre des outils. Alors, voilà, je l'ai fait dans, on va dire, tout ce que je pouvais transmettre par écrit, voilà, j'ai donné les outils aux gens, les outils thérapeutiques. Après, c'est vrai que quand on est accompagné individuellement, ben, on peut aller plus en profondeur, c'est de l'individuel. Bien sûr. C'est vrai qu'un livre ne va pas remplacer une thérapie, mais il y a tellement d'outils qu'on peut déjà appliquer. On peut mettre en. Enfin, on peut faire des exercices. Je donne vraiment beaucoup d'outils qui passent par le média de l'écriture. Parce que moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. On peut déjà commencer, je précise, sa propre thérapie. Et après, si avancer, enfin, dans mon cas, avancer, accompagné, j'ai gagné, je pense, Ouais, des années, ouais. des années dans mon Ouais. parcours. Et après, ben, ce qui m'a passionné, c'est vraiment développer des outils aussi de compréhension, ben, comment ça marche, la guérison. Enfin, moi, ce qui me passionne, c'est comment on fait pour guérir. Parce que pour moi, souvent, les gens me disent, on ne peut pas guérir et tout. J'avais même fait un post dessus ou une newsletter, enfin, je fais mes petites vidéos et puis je demandais, est-ce qu'on peut guérir de tout? Et puis, c'était un débat et souvent, on me dit, non, mais il y a des traumas, on ne peut pas guérir, etc. Ça dépend de comment on prend par guérison. Mais pour moi, la guérison est un chemin intérieur. Et pour moi, si il y a une blessure, ce serait tellement injuste que. Le mot blessure existe et qui n'existe pas le mot guérison, n'est-ce pas? Donc, pour moi, la guérison est possible, mais ça part d'un De choix, soi. d'un chemin intérieur. Voilà. Et c'est pas. Et la cicatrisation, ben, la cicatrisation, c'est visible. Tu vois, je me suis blessée, tu vas me dire, tiens, rien, ben, je vois que c'est refermé, ta plaie, c'est visible, mais la guérison, c'est intérieur. Donc, c'est pas forcément visible par les autres, mais moi, je sais qu'en fait, j'ai guéri des blessures, puis on a tous un chemin de guérison. Peut encore guérir aussi. Enfin, je pense que la vie, c'est ça, on a toujours d'autres blessures à guérir. C'est sans fin, tu vois. Genre, mais j'ai remarqué en fait qu'on peut vraiment avancer sur un chemin de libération, de guérison profonde, de guérison de blessures, de ces traumatismes, sans rester des années, enfin, à tourner en boucle dans le problème. C'est ça. C'est vraiment ça. Enfin, tu vois, j'ai cité, il y a. Peter Levine qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle Réveiller le tigre, guérir le traumatisme. Moi, j'adore lire sur comment les autres experts aussi ben, parlent du trauma, des outils de guérison, parce que je suis tellement passionnée par les mécanismes et comment concrètement on fait, tu vois, et j'accompagne les gens sur ce chemin-là. Et je vais citer ce qu'il a dit. À un moment, il a écrit ça, Peter Levine. Contrairement à la croyance populaire, le traumatisme peut être guéri. Et non seulement il peut être guéri, mais dans beaucoup de cas, sans de longues heures de thérapie, sans la pénible reviviscence des souvenirs et sans dépendance aux médicaments. Nous devons prendre conscience qu'il n'est ni possible ni nécessaire de changer ce qui s'est passé. C'est tellement. Alors, je pourrais t'en parler des heures, mais c'est tellement ça. En fait, déjà, c'est. J'ai pris conscience un jour que je ne pouvais pas changer ce qui est arrivé. D'où le chemin vers l'acceptation. Et c'est à partir de là que les portes de l'acceptation, quand tu arrives à l'acceptation, ça ne veut pas dire qu'on approuve. Ça ne veut pas dire qu'on veut que ça arrive, mais C'est un ça, truc peut faire, ça l'acceptation, c'est arrive. pas dire que c'est pas cautionné, c'est Pas pas dire qu'on est cautionner, d'accord. c'est comme le mot pardon. Je parle beaucoup aussi de pardon dans le livre, et ça ne veut pas dire que j'excuse, etc. Mais l'acceptation, c'est que c'est un fait, c'est factuel, c'est arrivé. OK, et c'est là. Et je ne peux pas le changer. Mais je ne peux pas changer ce qui est arrivé dans le passé. Par contre, je peux changer aujourd'hui, dans mon présent. Et moi, ce qui me passionne, c'est ça. Travailler sur le présent. Et d'ailleurs, les personnes que j'accompagne, que ce soit en accompagnement individuel ou même dans mon programme Les Alchimistes, qui est un accompagnement collectif sur plusieurs mois, en fait, on prend le point de départ, travailler sur l'acceptation et j'ai même pas besoin en fait que les gens me racontent ce qui est arrivé. Moi, ce qui m'intéresse, Ouais.
dis-moi, c'est quoi? Comment ton trauma ou ton épreuve est vivante aujourd'hui? Est-ce que c'est la colère, c'est la culpabilité, je sais pas, la honte, c'est, je sais pas, tu fais des crises d'angoisse, c'est des insomnies. Enfin, concrètement, comment ça se manifeste? J'ai pas besoin de savoir l'histoire. Alors, les gens, il y en a qui veulent me raconter, donc si c'est important pour eux, c'est OK. Mais c'est hors de question pour moi que les gens, je les laisse tourner en boucle dans leur passé. C'est concrètement comment c'est vivant aujourd'hui. Et c'est quoi qui est gênant? Qu'est-ce que tu as envie de transformer qui ne convient pas? Et vers quoi tu as envie d'aller? Donc souvent, les gens veulent aller vers une libération, vers un mieux-être dans leur vie. J'ai jamais entendu quelqu'un qui me dise, je veux garder mes crises d'angoisse et mes insomnies et mes C'est Les gens, clair. moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir c'est quoi ton point de départ, c'est quoi qui est challengeant pour toi. D'accord. Et où la souffrance, en fait, concrètement, dis-moi. Et après, c'est là que je peux accompagner avec mes outils sur un chemin de libération. Mais les gens, voilà, si les gens ne racontent que leur passé, bah, le passé ne peut pas être changé. Tu peux me raconter 50 fois l'histoire, mais même en racontant, ben, tu ne peux pas changer. Mais par contre, j'ai remarqué quelque chose dans mon parcours, et je témoigne en mon nom, en avançant dans mon parcours. J'ai changé mon passé ne s'est pas transformé, les actes restent les mêmes, mais la perception, le regard que j'ai sur mon Carrément. histoire, c'est complètement transformé. Pourtant, je n'ai pas tellement travaillé en parlant même en boucle de mon passé traumatique à ma psy, ou sans moi, je n'étais pas dedans. Et ça, je ne sais pas, ça leur a peut-être saoulé, je ne sais pas, mais à un moment, moi, j'étais tellement passionnée par le présent, je vais transformer ça, et j'étais vraiment dans un chemin de. Je faisais déjà du coaching sans être coach à l'époque, tu vois. Et j'étais tellement dans la mise en application d'outils, que j'ai marqué, bah, ma perception de mon histoire, elle s'est complètement transformée sans avoir eu besoin de raconter en boucle mon histoire. C'est ça le plus magique. C'est que j'ai travaillé dans le présent, j'ai transformé les émotions, j'ai libéré des choses en moi, j'ai transmuté, j'ai alchimisé tout ça. Et aujourd'hui, je regarde mon histoire dans le passé, mais je ne me vois plus comme victime, en fait. Ok, oui, j'étais victime d'actes, mais je ne me vois pas comme je me voyais il y a 7 ans, je ne me vois pas comme je me voyais il y a 20 ans. Pourtant, les actes sont les mêmes, mais ma perception, ça a complètement transformé juste en travaillant sur le présent. Mais Et pour le faire, les aujourd'hui, solutions sont vers l'avenir, je précise. C'est Pas tout, ça. le passé. C'est ça. Et aujourd'hui, justement, tu parlais, ça m'intéresserait, ben, je pense que les auditeurs aussi seront intéressés par ça. C'est qu'est-ce que, du coup, comment on a bien compris que ce qui t'anime, c'est justement d'accompagner sur ce processus que tu as toi-même vécu et que tu continues en plus sans cesse à te former, parce qu'en fait, Mais c'est c'est vraiment sans fin, encore tu une vois, c'est ma mission, tête. quoi. Ouais, c'est une mission de vouloir comprendre, de Mais pouvoir mieux moi, c'est ça accompagner. qui me passionne, en fait. C'est ça, c'est Et une moi, obsession même. alors c'est une obsession, ouais, c'est une obsession. Parce que si je me dis, mais comment je pourrais accélérer le processus pour les gens que j'accompagne? Comment je peux accélérer? D'abord, j'ai testé sur moi, je suis mon propre cobaye, j'ai testé C'est sur moi. ça. Je lui ai raconté dernièrement, tu vois, cette année, j'ai vécu trois challenges, et à un moment, j'aurais pu dire, ah, pauvre de moi et tout. Ben, là, j'ai vécu, on va dire, la maladie, enfin, voilà, challenge santé. Ben, je vais dire challenge parce que dans le mot challenge, c'est que je peux relever. Si j'aime plus trop dire le mot problème, maladie, le challenge ou le défi. Après, ben, le divorce, après 20 ans de mariage et tout, ça m'a pas mal challengé aussi. Et après, j'ai vécu aussi ben, l'épreuve santé. Ça, vu que j'avais des souffrances, on va dire, qui m'accompagnaient, des douleurs en fait, jour et nuit pendant 6 mois, ça m'a mené à un burn-out. Mon corps était arrivé en état de burn-out. Mon médecin m'a dit, mais vous êtes en burn-out. Et en fait, ça m'a mené après vraiment au burn-out. Donc, j'ai eu en fait un chemin de résilience sur plusieurs plans, on va dire triple résilience, à la C'est ça. maladie, le divorce, le burn-out. Et alors, j'ai dit, OK, Abby, là, j'ai compris le message. Et là, C'est j'ai dit, ça. OK. Ben, j'ai fait quoi? Mais clairement, concrètement, ben, j'ai repris aussi les outils que je partage ben, dans mon livre, L'or de nos cicatrices. Et souvent, les gens me disent, c'est bizarre, Rania, tu relis ton livre? Je dis, bah oui, je te jure. Bah oui, je relis aussi mon livre parce que ce n'est pas parce que j'ai écrit que ça ne vaut pas pour moi. Parfois, j'écris parce que j'étais à un moment de sagesse où, OK, ben, voilà. Le livre s'appelle L'or de nos cicatrices, en dessous-titre, c'est se libérer, se reconstruire après des violences sexuelles. Donc, à l'époque, je l'orientais pour les violences sexuelles, mais des personnes qui l'ont lu m'ont dit, mais moi, je n'ai pas vécu de violences sexuelles, mais d'autres épreuves. Et ça Voilà. s'applique Et en aussi, fait, il me ouais. dit, mais ça s'applique? Mais oui. Et donc, pour moi, pour mes propres épreuves, on va dire, bah, je l'applique. Ah, oui. Parce que je me dis, à un moment, tu sais, je l'écris, mais est-ce que tu Et peux c'est encore qu'en fait, l'appliquer un peu plus en profondeur pour moi? c'est ça, en fait. C'est un peu comme s'il y avait, je sais pas si tu as ça, mais tu vois, tu peux connaître, comme je dis, il y a comme des niveaux de profondeur ou des couches d'oignon. C'est que Mais tu oui, c'est peux te des couches d'oignon. libérer d'une couche d'oignon, mais alors après, toujours la même phrase, par exemple, qui va te porter, qui va Mais t'amener oui. du point A au C'est point plein B, de piqûres mais de rappel. Ouais. comprise à un autre niveau. Ça, c'est Ouais. genre, c'est OK, là, j'ai un défi que je relève. OK, il est relevé. Ah, libéré de la honte et de la culpabilité sur ce point-là. Génial. Mais Ok. alors, tu as un autre
autre challenge qui arrive par un autre endroit. Ben moi, j'en avais trois et ça m'a pas mal challengée. Aujourd'hui, je peux en rire. Et crois-moi qu'il y a quelques mois, j'étais en train de pleurer parce que j'avais mal partout dans mon corps et que même les fortes douleurs puissantes ne faisaient rien sur moi. Même des trucs à base de dérivés de la morphine et tout. Et le médecin me dit, bah, c'est ce qu'il y a de plus puissant. J'ai dit, oui, mais j'ai toujours mal. Ouais, et j'ai compris qu'il y a un truc aussi au niveau de la tête, mm-hmm. dans mon esprit, tu vois. J'ai... De la psyché, et, ouais. C'est la ça. Psyché, enfin, la guérison, elle peut pas. Alors bien sûr, il faut prendre son traitement, je précise, hein, si les médecins donnent, voilà, s'il faut prendre des traitements, et je précise, c'est pas une honte non plus, hein. Voilà, les gens me disent, mais je dois prendre des antidépresseurs ou des anxiolytiques ou des médicaments, c'est pas une honte de prendre des médicaments, mais se dire, voilà, c'est ponctuel, c'est net ponctuel. C'est ça. Mm-hmm. On peut vraiment, je pense, comme dit Peter Levine, quand j'ai cité la phrase, on peut s'en sortir aussi sans rester dépendant à des médicaments. Mm-hmm. Moi, j'ai pris un autre chemin. Moi, mon médecin aussi me proposait de prendre ça vraiment des mois et des mois. Et j'ai non, en fait, vous savez, je suis thérapeute aussi. Je vais prendre mon chemin à moi. Laissez-moi construire d'autres circuits neuronaux parce que moi, je suis passionnée par ça. Mm-hmm. La création de nouveaux circuits neuronaux. Et j'ai laissez-moi faire par mes moyens et je reviendrai vers vous là pour le traitement que vous me proposez. Mais j'ai peur autrement. Pour le moment, c'est ça. Pour le moment, je vais essayer une autre voie. Mais ça peut. Mais voilà, bon, j'ai la chance aussi d'avoir des outils. Et puis, bon, j'ai, si je suis bien accompagnée, si j'ai besoin. Moi, aujourd'hui, je n'hésite pas. Moi, je cherche aujourd'hui le processus le plus court. C'est aussi. Ça. Et pourquoi j'applique dans ma propre vie? Là, j'avais dernièrement les trois challenges. Aujourd'hui, je suis sur un chemin aussi, on va dire, de résilience et d'alchimisation, tout ça. Hein. Mm-hmm. Je continue encore à. Voilà, je vais faire mes exercices quotidiens pour ma santé. Je fais de la balnéothérapie. Enfin, je fais des trucs. Hein. C'est pas. Je précise que la guérison, elle ne tombe pas du ciel. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, je ne voudrais même pas que ce soit comme ça, parce que si j'estime que ça tombe du ciel, c'est que ça vient d'une force extérieure, que je dois apprier que ça tombe et que je ne peux rien faire. Non, ça vient de soi et de ce que je mets en place. Et la guérison, pour moi, c'est le chemin et la guérison. Et c'est ça qui me plaît, c'est qu'en fait, j'accompagne les gens sur un chemin d'auto-guérison, d'auto-libération. Et moi, ce qui me passionne, c'est vraiment de donner les clés d'autonomie, parce que c'est hors de question pour moi d'accompagner les personnes sur un chemin de dépendance. Enfin, j'ai déjà vu... Ça, enfin, pour moi, c'est pas ok par rapport à mes valeurs. C'est pas dans, c'est ça touche à ma déontologie, mon éthique. Pour moi, c'est pas ok parce que j'ai vécu aussi un chemin où voilà, j'étais un peu dépendante ou la dépendance affective, hein, on va dire, des choses comme ça. Je pensais que ça allait venir des autres et qu'on allait me guérir et tout. Ça m'a pas été utile. Et donc, tous ces chemins-là, tous ces différents, on va dire, chemins de résilience, ça se recoupe aussi. Mais je dis, mais comment je pourrais accompagner les personnes? Avec tout ce que j'apprends, et j'apprends encore, pour que ce pour soit les aider à être autonomes sur la suite. Voilà. Mais pour moi, c'est vraiment ça, je pense, le plus important. Enfin, une des choses les plus importantes, c'est vraiment redonner les clés de l'autonomie aux gens, en fait. Enfin, vraiment redevenir, tu vois, c'est ce que j'appelle les clés de la souveraineté, mais ça vient jamais de l'extérieur de soi. D'autres personnes peuvent aider, nous accompagner ou contribuer. Mais c'est comme si tu attends que ton bonheur vienne de quelqu'un. De l'extérieur. De l'extérieur, moi, quelquefois, on peut attendre longtemps. Si je devais attendre que ça vienne de l'homme qui m'a violée, ben, je pourrais peut-être attendre toute sa vie. Si j'attends qu'il me vienne me demander pardon, ça jamais, tu vois. Donc, je ne vais pas. Tu vas reporter ma reconstruction, ma résilience, et je n'ai pas envie d'attendre tu vois, des années encore pour commencer à vivre ma vie, parce que comme c'est un processus, ça prend quand même, bah, c'est des étapes et qui prennent du temps, non, qui est, ça dépend des personnes, mais aujourd'hui j'ai remarqué que par rapport à mes trois derniers challenges, triple résilience, j'ai appris des choses, j'ai dit waouh, en fait on peut accélérer le processus, mais tu sais, je pense que c'est comme un muscle, plus je muscle la résilience, et plus, parce que forcément je pratique depuis des années, là sur le chemin de l'acceptation, j'étais plus dans la lutte comme pendant 20 ans, j'essayais de lutter, ou j'étais plus dans la résistance, et j'ai mis en place beaucoup plus vite des choses, et j'ai mis en place des outils que j'ai déjà utilisés dans mon propre parcours. C'est que j'ai accéléré le processus et je dis, oh, j'ai compris les choses. C'est ça que j'ai envie de transmettre, en fait. C'est vraiment ça aussi, parce que tu sais, une quête dans ma vie, c'était voilà. L'épreuve, elle n'a pas forcément de sens. Souvent, j'ai envie de dire, mais je cherche le sens. Si moi, j'ai cherché 20 ans, il n'y a pas de sens. Enfin, ça peut être des faits. Factuellement, c'est ça. Il n'y a pas de force, enfin, parfois, je sais pas c'est quoi le sens. Le sens, c'est faut que la personne qui a commis les actes me dise c'était quoi le sens. Et ça se trouve, même lui, il n'y a pas de sens. Hein. C'est sans doute un mal-être intérieur, je ne sais pas. Mais par contre, le sens, tu peux le créer. Enfin, moi, j'ai toujours été passionnée par le partage et la transmission. Et pour dire, mais tu vois, si ce que j'ai appris sur mon parcours et ce que je n'ai jamais eu avant, je n'ai jamais lu un livre qui me donne des outils concrets, et que moi, j'aurais eu tout ça, mais j'aurais pu tellement avancer plus vite. Et donc, je me dis, si mon partage d'expérience peut-être inspirer des gens ou accélérer le processus de d'autres personnes, d'être encouragé à libérer sa parole. Mais pour moi, c'est ma plus belle récompense. C'est pour ça que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Tu vois, il y a quelques années, il y a 3 ans,
qui s'appelle Anya Tsai, et j'ai commencé à partager des vidéos. Et les gens me disaient, mais bah, Anya, tu vois ce que tu as dit sur la culpabilité ou ton partage, ou quand je disais, ben, voilà mon dépôt de plainte, ou des gens me disaient, ou même mon livre, tu vois, il y a des gens qui m'écrivent, je ne connais pas des lecteurs, des lectrices, qui me disent, mais merci, grâce au livre, grâce à des vidéos, ben, j'ai libéré ma parole. Ou il y a une personne qui me disait, avant de lire le livre, je me sentais coupable d'exister. Comment tu peux avancer dans ta vie en étant heureuse avec une croyance comme ça? Je me sentais pas d'être en vie. Et maintenant, ben, je mets en pratique et tout. Et après, j'ai choisi de me faire accompagner, etc. Mais ton livre m'a tellement C'est aidée. ça, Et à la ouvert. fin de la lecture, voilà, m'a dit, mais maintenant, je me dis, j'ai le droit aussi à être heureuse. Je dis, waouh, c'est beau ce qu'on me dit quand les gens m'écrivent ça. Je dis, mais merci de me partager ça. Et pour moi, je dis, waouh, ça a du sens alors de partager ça. Tu vois, comme le podcast, je le partage. Je fais ben, vraiment. Avec beaucoup de bah, avec beaucoup d'amour, parce que je me dis, j'aurais aimé qu'on me dise tout ça. Et d'une personne, bah, tu vois, ce que j'ai traversé, c'est pas vain. Ça C'est sert, c'est ça. utile à d'autres. Et puis après, s'il y a des personnes qui ont envie de, tu vois, de marcher un chemin que j'ai marché, de se faire accompagner, de... C'est pour ça que j'aime le terme mentor, tu vois. Je suis souvent mentor, hein, je ne vais pas dire coach, mais mentor, parce qu'un mentor, c'est quelqu'un qui a marché un chemin. Ou un guide, tu vois, quand tu vas faire l'ascension d'une montagne, imaginons que tu veux faire l'ascension, je sais pas, de l'Everest. Bah, je vais chercher un guide, et puis je vais prendre un Sherpa aussi, et puis je vais chercher des gens qui savent en fait bah, par quelle voie il faut passer, et quel chemin, et comment il faut s'entraîner, etc. aussi. Parce que ça ne s'improvise pas de faire l'ascension de l'Everest. Et je pense que prendre un guide, bah, ça sera certainement le chemin le plus court que d'essayer de tâtonner tout seul. Je ne sais même pas si on peut aller faire l'Everest toute seule. Enfin, Non, je crois pas, mais bon, parce que là, c'est quand même difficile. Mais moi, j'ai fait l'ascension du Mont Fuji, par exemple. mais Bah, voilà, c'est quand même challengeant. Il y a des préparations et tout. Puis après, tu peux faire le Mont Blanc et d'autres choses, ou le Kilimanjaro, ou ce que tu veux. Mais à un moment, ben, prendre quelqu'un qui a, tu vois, un mentor ou un guide qui a marché ce chemin-là, c'est bah, tu ça. peux t'économiser des impasses et des chemins de souffrance, ou des chemins, moi, j'ai tâtonné, etc. C'est pour ça que je suis passionnée de continuer à apprendre et me former, parce que je cherche encore, je sais pas, c'est quoi le moyen le plus court, le moyen, enfin le, puis les outils évoluent, etc. Et moi, moi-même, j'évolue, et j'ai dit, mais ce que j'adore, c'est de, tu vas transmettre des outils en toute autonomie pour que mes coachés, mes clients et mes alchimistes que j'accompagne, ben, puissent vraiment s'économiser un temps précieux, parce que, tu vois, ce serait injuste, tu vois, si tu as déjà souffert, on va dire, je sais pas, on va dire dans mon cas, bah, 20 ans de silence et tout. Non, si mon parcours de guérison doit durer aussi 20 ans, ce serait tellement, tellement C'est pas ça. juste, tu vois. Je dis, en fait, c'est peu importe la profondeur des blessures, mais le chemin de guérison n'est pas forcément proportionnel au chemin de souffrance, je précise. Hein. C'est C'est pas, ça. il y a pas de lien. Y a pas une Il n'y a corrélation pas de entre corrélation. les deux. Entre les deux. Du coup, c'est aujourd'hui justement, tu accompagnes, dis-moi un petit peu plus, comment est-ce que tu accompagnes les personnes et ouais, pour les personnes qui nous écouteraient et qui diraient, ben, en fait, là, ça me parle beaucoup, peu importe le trauma en question. Et qui entre en résonance avec ce que tu nous as partagé. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on te trouve? Où est-ce qu'on te trouve? Dis-nous-en un peu plus. Oui. Alors, comment ça se passe? Alors, moi, je fais de l'accompagnement individuel, voilà, en coaching, en thérapie brève et en mentorat, on va dire, de personnes. Enfin, j'ai un accompagnement individuel et j'ai un accompagnement aussi collectif. D'accord. L'accompagnement individuel, c'est du one-to-one, et je vais marcher voilà, ce chemin. Je précise côte à côte, hein, je ne fais jamais à la place des gens. C'est hyper important pour moi de préciser, parce que je pense que je ne rends pas service aux gens. Si je le fais à la place des personnes, c'est un chemin où la personne elle redevient responsable de sa vie. Quand on est responsable, tu sais, de sa guérison, responsable de sa vie, c'est qu'on est responsable aussi des résultats. Si, c'est important pourquoi pour moi, le mot responsabilité, c'est un mot qui est beau. Ça ne veut pas dire culpabilité. Hein. Je n'aurais pas le temps de trop développer, mais c'est vraiment différent. Pour moi, la mot responsabilité, c'est qu'en fait, on est capable d'agir. C'est ça l'étymologie, c'est capacité d'agir. Responsibility, ouais, c'est ça, C'est capacité de responsible. répondre. Voilà, en anglais, je trouve que c'est tellement responsible, ça veut dire capable de répondre. Tu es capable de répondre, en fait. C'est-à-dire que tu es capable de, si tu es capable de répondre, bah, tu es capable de choisir autre chose ou de faire autrement. Mais c'est une capacité. Et donc, en fait, si tu es responsable voilà, des choix que tu fais, tu reprends la responsabilité de ta vie, et donc tu es responsable aussi des résultats que tu vas obtenir. Les gens, souvent, les gens me disent, Marania, c'est grâce à toi, je suis guérie. Ou tu m'as sauvée. Je dis, non, non, je précise, je redis, tu as choisi de te faire accompagner.
Donc, tu aurais pu ne pas choisir et tu as choisi de mettre en application les exercices que je te propose. Donc, c'est un choix. Tu aurais pu ne rien en faire aussi. Mais aujourd'hui, ben, je précise, voilà, moi, j'ai été marcher à tes côtés, mais c'est toi qui marchais sur tes pas. Et moi, j'étais l'observateur et témoin. Et je suis honorée. En fait, moi, je dis aux gens, mais je suis tellement honorée d'accompagner les gens sur un chemin qui est le leur. Il n'y a jamais deux chemins qui se ressemblent. Mais ce qui est beau, je trouve, dans un parcours, c'est quand tu redonnes les clés aux gens. Enfin, tu vois, les gens, tu tiens la télécommande de ta vie ou tu tiens le volant de ta vie. Et moi, je suis le passager avant. Mais les gens, si... voilà, j'ai dit, on dirait que c'est une impasse par là, mais si les gens veulent aller là, bah, c'est OK. Hein, moi, je suis. Mais ça peut être une expérience aussi d'aller dans ma place pour dire, finalement, je vais peut-être pouvoir prendre ce chemin-là. C'est ça. Mais voilà. Donc, moi, je vais faire un accompagnement de type actif, je précise, hein, ça va être orienté sur le présent, axé sur le potentiel, aller puiser les ressources en soi pour aller ouvrir les portes vraiment de la transformation personnelle et ouvrir le champ des possibles, c'est vraiment ça, donc orienté sur l'avenir et la recherche de solutions. Donc, je fais de l'accompagnement individuel et pour les personnes qui seraient intéressées, j'offre une session clarté offerte. Pour l'instant, j'offre encore parce que mon agenda le permet jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais c'est une session alors, qui n'engage en rien. Enfin, c'est faire le point avec les personnes pour voir si moi, déjà, c'est un chemin dans lequel je peux accompagner la personne, ça m'arrive. C'est peut-être une demande qui n'est pas, on va dire, coachable. Enfin, la personne n'est pas coachable, mais ce n'est pas un chemin que je peux... que tu n'es pas la meilleure personne pour elle. Voilà, parce que si les gens cherchent par exemple un accompagnement que je fasse à la place des gens et que je les, on va dire, les infantilise et que je sois en mode sauveur, je ne serais vraiment pas du tout la meilleure coach ni la meilleure mentor pour ça. C'est pas mon chemin à moi. Donc voilà, je te donnerai le lien pour les personnes qui souhaitent la session clarté qui est offerte. Et moi, en fait, le but, c'est d'apporter la clarté pour dire ce serait quoi les prochaines étapes que je vois. Et après, les gens choisissent de faire ce chemin seul ou accompagné parce que chacun est libre de ses choix. C'est tellement important d'avoir conscience qu'on est libre à chaque instant, qu'il n'y a jamais d'obligation à quoi que ce soit. Mais si tu as le libre arbitre, t'es libre. C'est que pour moi, c'est résilience et la responsabilité et liberté, ça va de pair en fait. Tu ne peux pas marcher un chemin de libération si tu ne le choisis pas. On subit pas une libération, tu vois. Si on choisit pas, c'est qu'on subit. C'est on choisit la résilience, c'est un choix. C'est vraiment un choix. Et après, j'ai un programme. Ça, c'est un programme, mon bébé, on va dire, qui est parti d'un point de départ, qui est le livre, tu vois, l'ordre de nos cicatrices. Les gens me disent, moi, c'est génial et tout, les exercices et tout. Mais en fait, il y a des personnes qui voulaient vraiment concrètement marcher ce chemin-là. Et puis, les exercices, c'est vrai que par l'écrit, je suis quand même aussi limitée. Mais les gens ne peuvent pas forcément poser des questions. Il y a des exercices, des outils que je peux transmettre dans un livre que je ne peux pas transmettre. Tu vois, en visio, je pourrais transmettre des outils ou au niveau de la libération émotionnelle, faire des protocoles avec les gens. Et ça, même avec la meilleure volonté du monde, il y a la limite de l'écrit. Donc, à un moment, j'ai eu de la demande. Et je me suis dit, mais en fait, je vais faire ce programme que j'aurais aimé avoir. Il y a aussi quelque chose de très, très puissant que j'ai découvert dans le parcours. Parce que moi, j'ai organisé aussi des groupes de parole à Paris via mon association Les Résilientes. Et j'ai remarqué que les groupes collectifs, tu vois, avancer avec d'autres personnes qui ont vécu des épreuves, et c'est tellement, tellement puissant de ne pas se sentir seule souvent. Il y a cette sensation, je me sens seule, je suis seule au monde. Et en fait, j'ai combiné quoi, en fait, on va dire la puissance de l'accompagnement individuel avec des outils thérapeutiques et la puissance du collectif aussi. Parce que ça va plus loin que juste des groupes de parole, parce qu'en groupe de parole, les gens vont raconter leur histoire ou vont libérer leur parole. Mais en fait, moi, ce qui me passionne aujourd'hui, c'est d'accompagner sur un chemin de transformation et de transmutation. Donc, c'est au-delà de la libération, c'est l'étape d'après. D'abord, acceptation, libération, reconstruction. Puis après, tu vas vraiment marcher sur une voie de résilience et d'alchimiste. Et j'ai ouvert le programme Les Alchimistes. Le petit slogan, c'est ça, j'adore, c'est transformons le pont de nos épreuves en or de possibilités nouvelles. Et là, en fait, ça va être le point de départ, quelle que soit l'épreuve. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir parce qu'ils ont vécu des épreuves que moi j'ai vécues, comme des violences sexuelles, etc. Mais j'ai accompagné des personnes. Si je ne savais même pas ce qu'ils avaient vécu, j'ai su qu'à la fin, des personnes qui ont traversé les dépressions, le cancer, etc. Mais c'est une épreuve parce qu'en fait, je fais pas de sondage. Dites-moi ce que vous avez vécu. Enfin, non, c'est ça. C'est bon, point de départ, épreuve. Et là, c'est un accompagnement collectif. Donc ça va être sur le prochain voyage qu'on fait en octobre, à partir du 17 octobre. Je commence l'accompagnement sur 4 mois. Donc du 17 octobre au 31 janvier, en fait, c'est
de l'accompagnement en coaching collectif et en mentoring, en mentorat, avec des outils de thérapie. Bref, parce que j'ai cette casquette-là de thérapeute, donc je mixe le meilleur de moi et j'accompagne les personnes sur un chemin guidé pas à pas, comme l'ascension de l'Everest. Et je prends le point de départ qui est « j'arrive pas à accepter mon épreuve, je vais prendre ça comme point de départ pour aller vers le chemin de l'acceptation, parce que pour moi, c'est par là que ça commence. Par là que ça commence, c'est d'aller sur le chemin de l'acceptation. Peut-être que les personnes sont déjà acceptées, mais on peut toujours aller plus en profondeur et encore plus loin. Et là, je vais aller à toutes les étapes. Tu vois, dans mon livre, il y a 25 chapitres, mais je vais même encore un peu plus loin. Mais là, il y aurait une trentaine de sessions ensemble et j'ai combiné donc du mentorat, du coaching collectif avec des outils thérapie, bref, en groupe, avec donc des lives. Je précise, c'est pas du préenregistré. C'est que moi, j'évolue, ça va être ma quatrième session, donc le programme, il évolue avec moi. Là, c'est du live où les gens peuvent interagir avec moi, poser des questions, avec l'accès au replay, parce qu'il y a des gens aussi, peut-être, qui ne seront pas là en live, mais tu as accès au replay à vie. Je réponds à toutes les questions, il y a ma présence dans le groupe tous les jours. Et après, il y a des sessions aussi que j'appelle des cercles d'alchimistes. Donc, c'est des cercles de parole et des cercles de transformation où chacun a un temps de parole et on partage. Voilà, donc, parce que c'est combiner vraiment, tu vois, le pouvoir du collectif avec un parcours individuel où je donne en fait vraiment le meilleur de mes outils, le meilleur de moi et mon parcours, ce que j'ai appris dernièrement aussi. Et comme moi, je continue d'avancer, d'évoluer, je partage aussi moi-même un moment. Tes trouvailles, quoi, les dernières trouvailles. Et moi-même, les challenges, parce que je dis aux gens, mais c'est bien beau de renseigner, mais je vous montre que moi aussi, je mets en application. Tu vois, quand la dernière session, les alchimistes, c'était en début d'année. Je traversais à l'époque, il y avait la maladie, puis j'ai avancé vers le divorce, etc. Je traversais tout ça aussi, mais en fait, tu vois, les gens me disaient souvent, mais tu vois, Ania, le fait que toi, tu marches ce chemin avec nous, c'est pas juste de la théorie, parce que la théorie, tu en as plein, tu peux acheter plein de bouquins, tu peux te former, tu as plein de conférences gratuites tout le temps, tu vois, des sommets, etc. C'est super. Mais la théorie, c'est jamais source de transformation. La théorie, c'est source d'information et c'est très bien, la connaissance, c'est super. Par contre, si on veut marcher un chemin qui est de transformation, à un moment, juste l'information ou la connaissance théorique, ça ne va pas suffire. Il faut l'implémenter, c'est-à-dire qu'il faut que ça passe par l'intégration. L'intégration, ça passe par le corps. Ça passe par, y a des choses qu'il faut mettre en application. Si je veux apprendre à nager, j'ai beau regarder 10 000 vidéos sur YouTube et la technique de la nage, on va dire du papillon. Si je ne me mets pas dans l'eau et si je ne commence pas à faire des mouvements, je ne saurais jamais nager aucune nage. Et encore moins le papillon. Je dis ça parce que je ne sais pas nager de papillon. mais à un moment, tu vois, la théorie, c'est super. Il y a une limite, oui. Il y a la limite, comme tu dis. Là, ce n'est plus de l'information, c'est une transformation dans le genre d'accompagnement que tu fais. Ouais, que et tu les gens se sont dit, je sais déjà tout ça. Tu regardes des sommets, des conférences. Ah, mais je lis ça, mais je sais tout ça. Oui, ok, tu sais. Mais à quel niveau d'application tu mets? Ah oui, mais en fait, non, pas encore. Ok. Et là, en fait, les gens, je ne vais pas dire que ce n'est pas le choix. Enfin, ils ont quand même le choix, mais quand je marche pendant 4 mois, 2 fois par semaine, plus ma présence tous les jours dans le groupe, plus après une fois par mois, on se réunit en groupe d'alchimistes, en cercle, les gens, ils n'ont pas le choix que d'avancer. Enfin, c'était condamné à avancer. Quoi. Disons que l'environnement... Tu peux payer de rien faire, c'est possible. C'est ça. L'environnement, disons que tu vas favoriser ou faciliter le fait d'avoir le contexte, l'environnement, le soutien. Porté par l'élan. Et quand ils partagent leurs avancées, à un moment, tu dis, c'est possible pour les autres, c'est possible pour moi. C'est ça. C'est, en fait, la force du collectif, c'est ça. Et souvent, les gens me partagent aussi. Je dis, mais partagez vos challenges, vos doutes et vos peurs, écrivez-le. Et les gens disent, mais moi aussi, j'avais peur de ça. Et merci de te dire. Parce que souvent, tu sais, une personne qui partage, mais ça résonne pour tout le monde. C'est un cadeau qu'on fait au groupe. Parce qu'on n'ose pas toujours partager, moi, j'ai peur de ça, ou je me sens bloquée, ou j'y arrive pas, ou machin. Mais tout le monde, en fait, en est là. Et c'est que des cadeaux. À chaque fois, on partage un chemin d'évolution. Et le but des gens, tu vois, c'est vraiment, je veux aller vers un mieux-être dans ma vie. Je veux avancer dans un chemin de libération. Je veux vraiment. Tu vois, me libérer de mon passé et de pouvoir vraiment m'ouvrir à... C'est ça, m'autoriser. Que le passé ne soit plus limitant pour le futur, et donc c'est élargir à chaque fois un peu. Tourner la page, en fait, c'est vraiment ça. Ça permet de tourner la page, et du coup, dans le programme Les Alchimistes, on va balayer ça de l'épreuve, en fait, à l'acceptation, à la libération, et après, on va avancer sur toutes les étapes de la reconstruction et de la résilience, et après, on va aller vers la quête de sens, moi, ce qui me passionne, mais c'est un chemin, c'est un voyage, en fait, tu vois, c'est pas une formation, c'est vraiment un voyage intérieur qu'on fait, et que les gens, je sais même pas, tu vois, les niveaux de transformation, c'est les gens qui vont me partager, mais je sais qu'il y a un avant et un après, et c'est ça qui est beau, parce que
chacun avance et il y a quelque chose qui opère, c'est qu'en fait, les gens y reprennent vraiment le pouvoir, leur puissance personnelle. Et quand tu retrouves tu te remets dans un flow, en fait, ça permet ça aussi, le programme des alchimistes. Tu es dans un flow où tu es dans des conditions favorables parce que tout le monde a envie d'avancer. Et il y a des outils, il y a des lives, on peut poser des questions. Enfin, on est vraiment pris par la main, mais je précise, je marche pas à la place des gens, mais tu as toutes les clés, les conditions pour avancer dans un groupe qui est bienveillant, confidentiel, sans aucun jugement. Avec une vision commune, quoi. En fait, c'est ça, c'est la puissance du collectif, c'est que chacun, chaque personne, chaque membre du collectif va vivre le voyage intérieur à sa façon, mais en le vivant au sein d'un groupe, en fait, il va y avoir un effet de résonance, d'écho, miroir, etc., qui va permettre au groupe, enfin, tu sais, c'est cette fameuse phrase du 1 plus 1 est égal 3. Il y a comme une troisième chose qui émerge du travail qu'on fait en collectif qu'on n'a pas quand on travaille, dont on bénéficie la force, pas. En fait. Voilà, c'est ça. Au collectif. Et que tu vois, savoir qu'il y a un groupe qui t'accompagne et que tu es à tout moment, tu peux poser une question ou tu as un doute, ou ouais, là, je ne suis pas en forme et tout, et tu as un groupe entier qui te soutient, dit mais voilà, on est là, mais nous aussi, on avance. Et puis. Et voilà, tu saches qu'on est là pour t'écouter si besoin et te soutenir et tout, mais c'est des espaces tellement précieux, en fait. Et c'est ça qui m'a vraiment, je pense, le plus passionnée les dernières années. C'est quand j'ai développé ça aussi, tu vois, des groupes de parole, et j'ai vu la puissance du collectif. Je suis waouh. Et après, j'ai dit, en fait, les gens, je peux les accompagner encore plus loin. Parce que les groupes de parole, c'est toujours dans l'assaut. Mais les gens leur demandent, quand ils viennent en groupe, c'est j'ai envie de me libérer, ma parole. Mais ils n'ont pas signé, tu vois, pour un chemin de transformation. C'est juste un chemin de libération. Et moi, j'étais un peu frustrée, parce que je dis, waouh, mais les gens, ils pourraient aller plus loin. Mais ce n'est pas leur demande. Ils ont pas acheteurs pour ça. Et je n'ai pas à emmener les gens avec moi sur un chemin où ils n'ont pas cette demande. Enfin, moi, je suis pas arrivée en mode sauveur. Il y a un moment, j'avais un peu cette casquette-là, j'avoue. Donc, j'ai travaillé dessus. Je dis, non, en fait, les gens. Ils veulent juste ça, c'est OK. Mais moi, ce qui me passionne, c'est de voir le potentiel. Tu vois, là, tu as des preuves. Et comme c'est un chemin que je n'ai pas recouru, je vois toutes les étapes. Je dis, on voit tout ce que tu peux. Regarde tout ce qui est possible. Oui, c'est ça. Regarde tout ce qui est possible. Et c'est comme ça que j'accompagne les gens. Les gens me disent, c'est bizarre, Ania. Tu vois, on arrive à la fin de l'accompagnement, même en individuel ou même en collectif. Ils me disent, mais Ania, est-ce que. Là, c'est la dernière séance, mais je vais quand même te raconter un peu ce qui m'est arrivé parce que pour que tu saches, je dis, si tu veux. Mais les gens me disent, mais en fait, je n'avais pas besoin de te raconte, enfin, j'avais pas besoin de demander à la personne, et les gens me disent, mais quand même, je vais te dire pour que tu saches. Et là, les gens me disent, et là, je dis, ah, ok, là, je savais pas parfois, le trauma ou la profondeur, je savais parfois juste globalement, j'ai vécu, on va dire, des violences. Ah, d'accord, ok. Mais je vais pas chercher plus loin si la personne veut pas. T'as pas besoin d'avoir le détail, ouais, comme tu dis. Mais après, c'est là que j'ai remarqué, et puis après, c'est là que j'ai remarqué aussi, mais comment tu te vois? Et j'ai remarqué la perception entière a changé, donc. Et le collectif, ça m'a permis ça aussi. Et puis, mon propre parcours de transformation, c'est que, en fait, tu peux vraiment remanier ton traumatisme à partir d'aujourd'hui. Et ce que tu mets en place aujourd'hui, ça peut transformer, non pas les faits, mais le regard que tu as sur toi. Et en travaillant sur toi aujourd'hui, si on a des problèmes de, je sais pas, j'ai pas confiance en moi, ou je m'aime pas, ou j'ai pas d'estime de moi, ou j'arrive pas à m'affirmer, enfin plein, tu vois, un peu les challenges de un peu tout le monde, ok, mais en travaillant sur ça aujourd'hui, en travaillant sur chercher ses ressources en soi, et ça demande aussi, de la pratique et l'entraînement, se muscler un petit peu au quotidien, à un moment, j'arrive même plus parfois à me voir comment j'étais avant quand. Enfin, c'est pas que j'ai oublié, mais tu vois, j'arrive même. J'ai parfois encore du mal à te remettre dedans. Ouais. Comment je pensais avant? Comment je pensais? Ouais, c'est ça. Parce que c'est loin. C'est loin, mais je pourrais, Mais j'ai du mal à reparler comme avant quand j'étais vraiment en mode, tu vois, en mode victime impuissante, tu vois. Et j'étais dans ce schéma-là. C'est OK, on accepte ça et on va pas se juger. Mais à partir de ça, c'est la matière brute qu'on peut vraiment alchimiser. Si on le choisit. Donc je peux en parler des heures, mais ça, c'est le programme des alchimistes qui démarre le 17 octobre. Et puis en plus, comme je suis persuadée des transformations qui opèrent dedans, puis, moi, mon but, c'est d'accompagner que des gens qui ressentent l'appel, qui ont vraiment envie de se faire le cadeau. En fait, c'est vraiment un cadeau à se faire, un cadeau d'une transformation. Et je sais, en fait, la valeur qu'il y a
Dedans, bah, j'offre aussi, en fait, on va dire, une garantie où les gens peuvent essayer pendant 14 jours sans aucun risque. Parce que pour moi, ce qui compte, c'est d'accompagner des gens qui veulent marcher ce même chemin. Ça n'a rien de retenir des gens si tu ne te sens pas bien dedans. Enfin, moi, ça n'a pas de sens de prendre l'argent pour prendre de l'argent. Tu vois, c'est pas ça. Moi, ce qui me passionne, c'est que plus j'accompagne des groupes, tu vois, et puis moi, je suis aussi enseignante en retour, j'enseigne, mais les gens m'apportent aussi. Et j'évolue encore dans ma pratique. Et moi, mon but, c'est, tu vois, c'est pourquoi ce programme, ça me tient tellement, tellement à cœur, les alchimistes, parce que dans les personnes que j'accompagne, je sais qu'il y a des personnes qui voudront peut-être aller encore plus loin. Il y a des personnes, en fait, qui m'ont dit, moi aussi, j'ai envie de devenir aussi professionnelle d'accompagnement, d'accompagner des personnes à mon tour. Mais il y a beaucoup de personnes, d'ailleurs, qui veulent ça, qui ont vécu des traumas, qui veulent aider d'autres personnes. Et en premier lieu, ça commence par guérir ses blessures, parce qu'à mon sens, on ne peut pas accompagner de la meilleure des façons ou de la façon la plus écologique pour soi et la plus écologique pour l'autre aussi. Si on ne guérit pas ses blessures, sinon on risque de faire des transferts. Des transferts, oui, c'est ça. Et ce qui me passionne, c'est que, tu vois, je dis, waouh, je permets à des personnes un chemin de libération qu'elles s'offrent et que j'avance avec elles, et de savoir qu'elles font un chemin de guérison profonde et qu'après, elles vont elles-mêmes accompagner d'autres personnes. Je dis, waouh, tu vois, c'est comme si je peux accompagner encore plus de monde, tu vois. C'est moi. C'est ton impact, c'est ça, c'est un effet, c'est infini, quoi. C'est infini parce que tu sais pas l'effet de cascade, le domino ou l'effet papillon. C'est ça, en fait, qui a du sens d'accompagner des alchimistes qui ont tellement alchimisé leur vie, qui vont eux-mêmes aider à alchimiser la vie de d'autres personnes. Et tu vois, quand tu aides une personne, tu sais pas combien de vies en réalité tu peux. Quand j'aide une personne à transformer sa vie, tu sais pas combien de personnes ça impacte. Et non seulement, même si t'es pas professionnel d'accompagnement, mais moi, quand j'ai transformé ma vie, je sais que ça résonne pour mon entourage et donc tout le monde sera peut-être pas forcément coach ou thérapeute mais il y a des choses qui se transforment chez les autres. Un chemin de transformation ne peut pas être que individuel, et pour moi c'est comme ça qu'on contribue à guérir le monde et transformer le monde. Ça commence à se guérir soi et se transformer soi. Et moi, ma vision, c'est parce que j'ai une grande vision pour le monde. J'ai une vision à laquelle je crois tellement et je la vois, c'est j'ai envie d'impacter des millions de vies. Qu'il y aura des milliards de vies, et peut-être je verrai de mon vivant, j'espère, peut-être pas, mais d'autres personnes vont continuer après moi. Mais j'ai cette vision-là d'impacter à plus grande échelle, et c'est pour ça que je tiens tellement au programme Les Alchimistes, notamment parce qu'il y a un effet comme ça, waouh, et il y a des personnes qui vont elles-mêmes s'accompagner avec leur couleur personnelle, leur personnalité, tu vois. Et leur unicité, leur singularité, leur ça ne va unicité, pas être la même chose que toi. J'ai pas de crainte, tu vois, que les gens ils vont copier ou toi. Non, pas du tout, parce que tu as une histoire qui est singulière. On ne peut pas copier, tu vois, comme on dit, on ne peut pas copier mon style d'écriture ou mon style de coaching. Enfin, c'est moi, c'est qui je suis. Il n'y a pas de copie, chacun a son histoire. Moi, ce qui me passionne, c'est de savoir que quand tu en guéris des blessures, et que peu importe le gros tas de caca qu'on avait au départ, et que tu peux en faire vraiment de l'or alchimique, et que ça tu peux contribuer aussi au monde à le rendre en fait encore meilleur et encourager toute personne à se guérir, à se transformer. Je pense qu'on peut tous apporter notre pierre à l'édifice, et moi j'ai cette grande vision là et c'est pour ça que j'étais appelée, on va dire, à ouvrir le programme des alchimistes, qui était un appel fort. C'est vraiment le programme que j'aurais aimé avoir. Voilà. C'est ça, à tes 15 ans ou à mes 15 ans, peut-être, qui est le mix de tout ce que j'ai appris. Puis j'adore aussi accompagner en individuel, parce que j'ai accompagné tellement de belles personnes aussi qui elles-mêmes aussi fait continuer. Ce qui est beau, tu sais, j'ai terminé par ça, c'est que tu vois, les alchimistes ou les personnes que j'ai accompagnées, c'est comme une famille de cœur. Ça ne s'arrête pas à la fin de l'accompagnement. Enfin, le groupe, il est encore là, les gens peuvent partager, mais les gens continuent à me donner des nouvelles, tu vois. Ils m'écrivent, voilà ce que j'ai mis en place, voilà ce que je fais. Les gens qui disent, maintenant, je me forme moi-même pour devenir professionnelle, etc. Et puis, les gens sont contents de me dire, tu vois, je continue le parcours. Parce que le but, c'est que les gens, ils aient les clés pour être autonomes et puissent avancer. C'est au-delà de, donc là, le programme que tu proposes là, c'est effectivement leur donner des clés, tu disais, d'autonomie, pour que eux-mêmes par la suite puissent soit choisir, parce qu'on est sur ce mot là hein, je crois que le mot clé, le choix, pour les auditeurs aujourd'hui de ce podcast, ça va être choisir. Tu crois que c'est le mot clé et pas choisir, subir, tu vois, c'est choisir, je subis pas, je choisis.
C'est ça, exactement. Ça va être la punchline, la pépite, le truc à retenir du podcast. Choisissez-vous en premier, ouais, choisissez votre ça. Guérison. Il y a aussi cette notion de faites-vous entourer si c'est le choix que vous voulez faire, mais vous pouvez le faire seul aussi. Voilà. Et vous avez le droit d'être heureux parce que, enfin, tu l'as. Ça, c'est vraiment aussi un choix, c'est de dire ok, ben voilà, si je choisis et je subis pas, ben au lieu de subir ma vie, je choisis de la vivre et tant qu'à faire, je choisis de vivre une vie heureuse. La plus belle des vies. Et au c'est contraire, ça. Et tu vois, je trouve que quand tu as vécu des épreuves vraiment pas cool, mm-hmm. mais c'est vraiment une magnifique, on va dire. Revanche entre guillemets, enfin ouais, revanche sur la vie, mm-hmm. mais waouh, mais voilà, j'avais un truc vraiment des gros challenges, mais et voilà, je j'en fais aujourd'hui, mm-hmm. et voilà comment tu vois, je peux alchimiser tout ça, mm-hmm. et que ça ne me définit aucunement. Par contre, ça, j'en puise une force intérieure, je peux vraiment renaître de mes cendres, et clairement qu'aujourd'hui, ben, je ne serais pas celle que je suis, je ne serais pas arrivée dans ce métier-là, enfin, je pense qu'on. Je fais, enfin voilà, c'est aussi par un peu par vocation, enfin quelque chose, ça me passionne aussi, tu vois, de faire ça. Mais clairement, les épreuves que j'ai traversées, ben ça fait de moi celle que je suis aujourd'hui et mm-hmm. que je transmets de cette façon-là parce que je pourrais pas le dire de cette façon-là avec ces mêmes mots si moi-même je l'avais pas ressenti. Mm-hmm. Et... Oui, comme tu disais, c'est la différence entre, et c'est ça le propos aussi du podcast, c'est de partager des expériences parce que c'est pas quelque chose de théorique, c'est que les divergents qui viennent dans le podcast, c'est justement des personnes qui ont eu des expériences de vie, qui ont alchimisé ça, ont réussi à faire le pas de côté pour pouvoir vraiment observer qu'est-ce qu'elles en ont tiré comme leçon, j'ai envie de dire, et qui, paradoxalement, ou pas, hein, parce qu'il n'y a pas de... Pour moi, il y a vraiment un lien cause à effet, c'est qu'elles ont ce désir de transmettre, de partager, et ça peut prendre plein de formes, que ce soit un livre, un blog, des groupes de parole, enfin, voilà. Peu importe. De la chanson, de la musique, de l'art. Voilà. Exactement, il y a ce truc, j'ai l'impression, profondément humain, en fait, que de dire, ok, ben, ce que j'ai vécu ne me définit pas, j'ai réussi à le transformer, et après, il y a cette... Naturellement, comme avec nos enfants, on a envie de leur transmettre les valeurs, les clés, les bonnes croyances, entre guillemets, qu'on a, les bonnes croyances, je mets entre guillemets bonnes croyances, mais celles qu'on a envie de leur partager pour dire, ben, celles-ci seront plus soutenantes pour cet objectif-là. Voilà. Et c'est un peu le métier qu'on fait. Après, comme tu dis, il y a une vocation, mais quelque part, c'est tellement, je trouve, humain de, quand on a fait ce genre de chemin, de, process, de processus de transformation, qu'on a soi-même envie de dire, ben, ok, si je peux... te dire, comme le Sherpa qui veut monter l'Everest, bah, va pas à droite, parce que là... j'ai essayé l'autre fois, je suis tombée dans le trou, mais tu peux voilà. Mais j'ai essayé le trou. C'est ça, c'est, tu vois, c'est donner comme le contexte, donner la carte, tu vois, le plan, et de dire, bah, regarde, là, il y a un piège, là, il y a un piège, là, il y a un piège, libre à toi de choisir le chemin que tu veux, mais ce territoire-là, je les ai déjà dégagés pour toi, quoi. Je les ai déjà explorés pour toi, j'en suis déjà revenue. Après, tu es maître, comme tu disais, c'est toi qui choisis le chemin que tu veux, quoi. Parce que d'avoir le choix, eh ben, c'est qu'à aucun moment, tu ne subis quoi que ce soit. Et tu sens de l'impuissance pour retrouver ta puissance personnelle. C'est pour ça que j'adore le mot « choix ». Et souvent, les gens me disent « mais j'ai rien fait, j'avais pas le choix ». J'ai en fait « non, mais en fait, t'as choisi de rien faire, c'est un choix aussi ». C'est ça. Rien faire, c'est un choix. Un non-choix, c'est un choix. Un non-choix, c'est un choix. Parfois, pas conscient, mais c'est un choix. Mais mettre le mot « choix », je pense que c'est vraiment un des mots les plus puissants dans ma vie quand je me dis, mais en fait, je choisis de faire autrement, je choisis de me libérer, je choisis de me faire accompagner ou je choisis, voilà. Enfin, à chaque fois que j'ai réalisé que je choisissais dans ma vie, parfois, je n'ai pas fait toujours le meilleur choix. J'ai dit, j'ai fait ce choix, ça m'a fait mal. Mais bon, je vais choisir autre chose alors. Mais j'ai appris quand même que là, ça, c'était une grosse épine. Mais j'ai pas subi, j'aurais pu dire non, mais voilà, c'est à cause de trucs ou machin. Où je suis... J'étais obligée. Non, j'ai choisi et c'était peut-être pas le meilleur choix, mais si j'ai fait ce choix, c'est que j'avais certainement un truc à apprendre. Mm-hmm. Et j'ai expérimenté des voies de souffrance aussi. Mm-hmm. Là, ok, donc je vais peut-être apprendre aussi aux gens que j'accompagne. J'ai essayé ça, mais vous en faites ce que vous voulez, mais moi j'ai souffert. C'est ça. Après, libre à vous d'essayer, mais parfois ben, ça nous enseigne aussi, quel que soit le choix. C'est clair. Moi, ça, chaque pas dans mon parcours m'a enseigné et je continue encore à être enseignée. Et j'enseigne ce que j'ai appris et je suis enseignée aussi en retour et je transmets. Mais ça, c'est pour ça que c'est voilà, je parle de mentor parce que c'est vraiment ça. Je continue encore ce chemin-là. C'est pas juste, je vous apprends des trucs que j'ai appris en théorie dans mes bouquins de coaching et de formation. C'est ça. J'aurais pu être juste, tu vois,
Formatrice, quoi. Mmh. Voilà, formatrice, mais pour moi, c'était être mentor, c'est un chemin, enfin, ça ne s'invente pas et c'est plus en profondeur pour dire, ben, venez marcher avec moi. Voilà. Mais vous êtes libre à chaque moment. Vous êtes obligé de, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je dis. Mmh. Marchez en tout cas. Essayez et testez. Puis si vous trouvez mieux, bah, partagez-le moi et partagez aux alchimistes. Mmh. Et je mets à jour et moi, je dis aux gens, partagez-moi ce qui vous a aidé, si il y a mieux. Moi, je suis, j'adore apprendre. Mais c'est de la co-création, pareil. Mes accompagnements, c'est du co-coaching, comme de la co-thérapie. Et les alchimistes, c'est une co-création. Et on avance ensemble. Et pour moi, c'est comme c'est ça qui est le plus puissant, parce qu'on sait qu'on avance et on est entièrement libre, autonome. Mmh. Et c'est un chemin de... Enfin, on retrouve sa souveraineté. Mmh. C'est vraiment le plus beau des cadeaux que j'ai pu me faire aussi. Voilà, tu vois, je pourrais en parler des heures. Merci beaucoup en tout cas d'avoir fait le choix d'accepter l'invitation de raconter et de pouvoir permettre aux auditeurs de justement retirer tous tes apprentissages de sagesse. Mais si les gens sont passionnés d'apprentissage, je peux vous inviter aussi à me suivre sur YouTube. J'ai ma chaîne YouTube, voilà, j'ai terminé par ça. Ça s'appelle Anya Tsai. Et en fait, depuis mes challenges dernièrement, qu'à un moment, ma triple résilience, j'étais tellement persuadée que j'avais pas de doute que j'allais guérir à un moment. Mais je sais pas forcément quand, j'ai pas la date. Hein. Ouais. Donc, je connais tellement le processus de résilience parce que j'incarne au quotidien et je l'applique. Je dis, mais ok, je vais faire un challenge live sur un an. Pendant un an, j'emmène les gens avec moi. Un live pendant 365 jours, je vous emmène avec moi au cœur de la résilience alchimique et je vous montre concrètement ce que je mets en place. Il y a des jours où j'étais challengée. Quand j'ai commencé en juillet, j'étais en plein cœur des douleurs et ce matin j'ai pleuré, vous savez, c'était dur, ou là ce matin où c'était challengeant, mais je partage, mais j'ai tellement foi en moi, je sais que j'ai pas peur de montrer cette vulnérabilité parce que dedans je montre en fait le chemin que je fais, parce que j'incarne vraiment, enfin ça, je peux pas l'inventer, tu vois, mais c'est ça. Je vous montre au jour le jour, et oui, parfois c'est challengeant. Mais demain est un autre jour et je continue d'avancer. Et voilà, je fais ce cadeau-là au monde, on va dire, pour dire, tu marches ta parole, quoi. Je marche ma parole parce que même moi, je continue encore. Et donc, je vous invite à me suivre sur ces lives si vous voulez avancer un chemin, Génial. Écoute, je mettrai tous les liens dans la description du podcast, comme ça les personnes pourront te suivre, que ce soit sur ton blog, sur ta chaîne YouTube, dans tes programmes d'accompagnement. Voilà. En tout cas, c'est clair, ils auront les ressources pour pouvoir te contacter. Je peux t'offrir un petit dernier cadeau. Moi, j'adore faire des cadeaux. Je ferai un dernier cadeau aux personnes qui écoutent. Moi, j'offre un journal de résilience, en fait. C'est un journal que j'ai créé peut-être pour accompagner les gens sur leur 30 prochains jours pour leur transmettre une des routines, on va dire, enfin des rituels les plus puissants pour moi, qui étaient les plus transformateurs dans ma vie. Et donc j'offre ça aux personnes, donc c'est un PDF qu'elles peuvent télécharger et puis le faire à leur rythme et rentrer vraiment au quotidien pour vivre la résilience comme moi au quotidien. Donc et voilà, je te donnerai le lien pour qu'elles puissent télécharger ce cadeau là Super, merci d'avance en tout cas pour les auditeurs. On le mettra en lien pour que les auditeurs puissent en plus profiter de... Il y a à la fois la session de clarté aussi que tu proposais et le journal de résilience sur 30 jours qui est en PDF à télécharger alors. Ouais, voilà. Merci pour cette générosité à la fois dans l'échange, dans le partage, dans la vulnérabilité. Tu nous as partagé tes clés, tes pépites. Merci pour ça. J'aurai grand plaisir à continuer à te suivre en tout cas sur les réseaux et je te dis à très très bientôt. Au revoir.